notre Père. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu nous rassembles encore maintenant. Nous avons confiance que toi qui nous as envoyé le prophète du temps de la fin, avec un message divin, tu seras de la partie et tu es déjà là, afin de conduire toutes choses et nous aider, Seigneur, à avoir une jeunesse solide et bâtie sur la parole. Nous te remettons toutes choses à présent au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour vous asseoir. Alors, je vous salue toutes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons immédiatement rentrer dans notre thème d'aujourd'hui. Nous ouvrons dans le livre de Romains au chapitre 13. Romains chapitre 13, le verset 13. Romains 13 et le verset 13 également. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui touche ce qu'on appelle les excès. Mais notre thème s'intitule « Les abus ». Les abus. Au fur et à mesure que nous sommes en train de voir tous ces différents thèmes avec vous, j'ai parfaitement conscience que nous ne pouvons pas tout aborder dans l'espace de temps qui nous est donné. Et je voudrais croire que le Saint-Esprit nous donnera d'autres occasions, ne serait-ce que dans les prêches, afin que nous puissions compléter ce qui n'a pas été abordé. Par exemple, je me rappelle qu'au travers de tout ce que nous avons déjà vu, je n'ai pas eu la possibilité de vous parler, par exemple, dans les problèmes familiaux, de la question des parents hyper protecteurs, c'est-à-dire des parents qui aiment tellement leurs enfants, mais ils vont à l'excès dans la protection qu'ils assurent à ces enfants-là. Parce que l'enfant doit avoir, qu'on le veuille ou pas, une certaine liberté, en tout cas à un certain degré, pour lui permettre également de s'épanouir. Ça fait partie de son épanouissement. On n'en avait pas parlé. Je pensais que ça pourrait venir dans vos questions, parce qu'on ne peut pas tout aborder dans le temps qui nous est donné. Vraiment, on n'a pas assez de temps. Aujourd'hui, nous parlons donc sur les abus. Et de la même façon, nous allons essayer de prendre l'essentiel. Ce que nous n'aurons pas pu toucher, nous laisserons le Saint-Esprit s'en occuper lors des prêches ou peut-être lors de la séance des questions-réponses qui va intervenir à la fin. Alors, en parlant donc sur les abus, je voudrais commencer par vous dire que un abus, c'est un usage injuste, sinon excessif, que l'on fait d'une chose ou d'un droit. Il y a d'abord ce qu'on appelle le droit et il y a ce qu'on appelle l'usage convenable, sinon mesuré d'une chose. Et quand on va au-delà, on a donc ce qu'on appelle un abus. Mais dans ce que nous allons étudier ici, nous allons voir donc les abus sous l'angle des actes qui sont plutôt répréhensibles et qui sont posés donc par des gens. Mais lorsque on parle d'abus, comprenez déjà et comprenez tout de suite qu'il n'y a pas consentement de la jeune fille impliquée dans cet abus. Sinon, ce ne serait pas un abus. Si la fille est consentante, on ne peut pas parler d'abus. Mais dans les cas des abus, il y a toujours un manque de consentement de la personne qui est
abusé. Cette personne n'a pas donné son consentement. C'est pourquoi donc, je m'en vais dire tout de suite, que tout abus constitue une violation du caractère sacré et de l'intégrité de la personne humaine. Et ça provoque toujours un traumatisme. La raison pour laquelle nous en parlons maintenant, c'est justement à cause des traumatismes qui naissent lorsque il y a des abus. Alors, allons droit au but. Premièrement, nous avons les sévices sexuels. C'est le premier type d'abus que nous allons donc voir. Les sévices sexuels. On dit sévices sexuels, on pourrait aussi dire un abus sexuel. Un abus sexuel, c'est toute contrainte. Ça peut être verbal, ça peut être visuel, donc par ce qu'on voit, un film par exemple. Ça peut être psychologique, donc ça se passe là. Ou tout contact physique par lequel une personne se sert d'un enfant, d'un adolescent ou d'un adulte en vue d'une stimulation sexuelle, la sienne, donc sa propre stimulation, ou alors la stimulation d'une tierce personne. Lorsque on a donc cette contrainte-là, ou ce contact physique, sans qu'il y ait consentement de la personne sur laquelle cela est exercé, alors on dit qu'il y a abus. Je reviens. Si la jeune fille qui est approchée par un homme ou même par une femme, comme cela se fait dans le monde aujourd'hui, est d'accord avec ce qui se fait, en ce moment-là, il n'y a pas abus parce que c'est elle qui veut. Elle est d'accord, elle est consentante, surtout quand elle est déjà adulte. Mais si elle n'est pas adulte, même si on parle de consentement, il y aura toujours problème parce qu'elle n'est pas encore majeure. Elle n'a pas encore la capacité de décider comme il faut, donc elle n'est pas censée décider par elle-même. Elle est encore soumise à des tuteurs et à des tutrices. Voilà pourquoi on ne peut donc pas compter sur son point de vue en ce moment-là. Mais il faut attendre que la fille ait atteint la majorité. Donc quand il y a consentement, il n'y a pas abus. Mais on va dire qu'il y a abus lorsque cette contrainte est exercée sur une jeune fille qui n'a pas marqué son consentement. Donc, cette contrainte peut être verbale, je l'ai dit. Cette contrainte peut être visuelle. Cette contrainte peut être psychologique. Et tout comme on peut aussi avoir un contact physique pour avoir ce qu'on appelle ici un abus sexuel. Dans les contraintes verbales, il y a par exemple les sollicitations sexuelles directes. Donc, l'individu demande à avoir un contact sexuel avec la jeune fille, directement. Il y a l'usage, le terme sexuel dans la causerie. Donc, on n'a pas demandé à avoir un rapport sexuel, mais on approche en utilisant des termes sexuels dans la conversation. Il y a la séduction subtile. Donc, le monsieur ou le jeune homme essaye d'user des voies et manières pour attirer la jeune fille vers lui en vue de ce qu'il veut réaliser sur cette jeune fille-là. Parce que lui, il sait ce qu'il veut et il sait où est-ce qu'il va. Pendant ce temps, la jeune fille, elle, ne sait rien et ne s'attend à rien. On va dire qu'elle est dans toute son innocence et les gens en profitent. Et il y a aussi ce qu'on appelle les insinuations. Donc, de temps en temps, dans son langage, il essaye d'insinuer quelque chose qui va dans ce sens-là afin d'amener cette jeune fille dans cette direction. Alors, là, ça se passe de façon verbale. C'est le discours, c'est dans le langage, les paroles. Il vous amène petit à petit vers là, dans le langage. Mais je répète, si la jeune fille est consentante, il n'y a pas abus. Or, là, on a affaire à une jeune fille qui ne veut rien entendre de tel.
On va donc dire qu'il y a abus parce que la jeune fille n'était pas préparée à entendre ça. Elle ne voulait pas ça. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dès le départ. Et on va donc dire que là, il y a abus sexuel. Dans les contraintes visuelles, il y a l'emploi de matériel pornographique, par exemple. On utilise des images, des films pornographiques, des films érotiques où il y a des actes qui vont suggérer la sexualité et donc amener la jeune fille à avoir un désir sexuel. Il y a aussi, je suis toujours sur les contraintes visuelles, il y a le regard insistant sur certaines parties du corps. Donc, pendant que vous ne vous rendez pas compte, l'homme qui est en face de vous ou le jeune homme qui est en face de vous regarde de façon insistante certaines parties de votre corps. Le temps de vous retourner, vous vous rendez compte qu'il était en train de vous regarder très attentivement sur certaines parties, sur certaines zones de votre corps. Quand c'est le cas, alors là, nous sommes déjà en train de rentrer dans un abus sexuel. Il y a le fait de se dévêtir ou d'être nu pour justement provoquer chez la jeune fille une certaine stimulation. Et il y a aussi le fait de faire, ou plutôt d'avoir un rapport sexuel, mais à la vue de quelqu'un. Alors, il y a un rapport sexuel qui se fait et la pauvre jeune fille est obligée de regarder ce rapport parce que vous l'y soumettez. C'est ce qui se passe parfois dans certaines maisons où les conditions de vie ne sont pas vraiment très adaptées. Les parents vivent vraiment très à l'étroit et ce n'est pas très bien pour les jeunes enfants. Un jour, ici même avec vous, je crois que c'est le jour où nous avons parlé sur les problèmes sexuels, à la fin de la réunion, un petit garçon, j'étais avec vous, quelqu'un avait donc amené un petit garçon ici et ce petit garçon est venu me voir. Il pouvait avoir dans moins de 5 ans. Et il vient me dire, pasteur, suivez ce qu'il me dit, il dit pasteur, mais à la maison, quand papa et maman sont ensemble, mais pourquoi ils ne ferment pas la porte? Et pourquoi ils nous laissent voir ça? C'est un petit garçon. Autour de 5 ans comme ça, ça m'a vraiment choqué quand ce petit garçon me l'a dit. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce garçon-là, ce petit enfant-là est déjà dans un traumatisme. Pendant que ses parents ne le savent pas, ils ont traumatisé ce garçon. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? On ne sait pas. Parce qu'après, il va essayer finalement d'appliquer ce qu'il voit sur d'autres filles de son âge. Et on a déjà perturbé l'évolution de ce garçon sans s'en rendre compte. Donc vous voyez, le fait de se dévêtir ou d'avoir un rapport sexuel à la vue de quelqu'un d'autre va donc être un abus sexuel parce que ça crée un traumatisme sur cette personne qui n'avait pas demandé à assister à ce spectacle. À côté de cela, il y a les contraintes psychologiques, je l'ai dit. Contraintes psychologiques, c'est lorsqu'il y a, par exemple, violation de la frontière entre, je dis bien, violation de la frontière entre le relationnel et le sexuel. Je m'explique. Moi, je suis père. Vis-à-vis de ma fille, la relation qu'il y a entre nous deux, c'est la relation de père à fille. Ça, c'est la relation qui nous lie. Le relationnel, c'est ce qui vous lie à quelqu'un. Moi, je suis oncle. Avec une fille qui est en face de moi, la relation qui nous lie, c'est, par exemple, la fille de mon frère ou la fille de ma soeur. C'est que moi, je suis l'oncle de cette fille. C'est ça la relation qui nous lie. Maintenant, si je brise cette relation pour aller vers le sexuel, en ce moment-là, on dit qu'il y a violation de la frontière entre le relationnel et le sexuel. C'est le cas lorsque un parent manifeste un intérêt excessif sur la sexualité de son enfant, de sa fille par exemple. Prenez le cas d'un parent qui découvre que sa fille a déjà eu des relations sexuelles avec un homme. Et voilà ce papa qui appelle sa fille pour lui dire, moi j'ai appris que tu as fait ceci et cela. D'accord? Répond la fille, blâme-la. D'accord?
Mais si le papa va maintenant loin et veut savoir ça s'est passé où, ça s'est passé quand, ça s'est passé combien de fois, vous avez pris quelle position, là ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de ce papa. Quelque chose ne tourne pas rond. Bon, quand la fille t'aura expliqué tout ça, après toi tu feras quoi de ça? Ça va changer l'acte qui a eu lieu. Vous voyez? Quand vous voyez ça, c'est que ce papa-là, lui-même a envie de coucher avec sa fille. J'emploie les mots qu'il faut. C'est ce que ça veut dire. Lui-même veut aller avec cette fille-là. C'est pourquoi il sent comme une sorte de jalousie qui monte en lui en apprenant que quelqu'un d'autre l'a fait pendant que lui le voulait et n'a pas eu le courage de le faire parce que quelque part, il y avait la relation avec cette fille-là, puisqu'il est le père ou l'oncle ou le frère ou je ne sais pas quoi, qui l'empêchait de le faire. Quand il y a donc cette manifestation d'un intérêt excessif sur la sexualité de sa fille, là il y a problème. Il y a aussi contrainte psychologique lorsque il y a violation de la frontière entre le physique et le sexuel. Le physique et le sexuel. Je m'explique. L'enfant, avant qu'elle ne soit mature, elle passe toujours par l'étape de l'adolescence et tout le reste. Mais, surtout quand la fille devient adolescente, elle change. Et ses formes aussi changent. Parfois, elle n'a même pas encore 18 ans, mais elle vous donne déjà l'impression d'être une fille de 20 ans. Par ses formes. Il y a des filles qui sont comme ça. Et maintenant, voilà que le parent ou quelqu'un d'autre cette fois-ci va s'arrêter sur le développement physique de cette fille-là. Donc, il regarde la fille fixement, apprécie son corps, apprécie son développement et tout le reste. En fait, il n'apprécie pas son développement. C'est elle, dans l'ensemble, qu'il apprécie parce qu'il a envie de cette fille-là. Là, on dit qu'il y a contrainte psychologique. Et il vous arrivera naturellement dans ces conditions-là de vous retourner et de vous rendre compte qu'il y avait quelqu'un qui est en train de vous observer fixement, attentivement. En tout cas, on va dire en français, il était en train de scruter votre corps. Ce n'est pas bien. Parce que quand on remarque que quelqu'un est en train de nous regarder de façon fixe, de façon à scruter notre corps, ça gêne, ça dérange et ça peut même traumatiser. C'est là le problème. Et il arrive souvent que ces choses se passent également dans le cercle familial, ce qui constitue encore là un problème vraiment sérieux. Très très sérieux, parce que souvent ce qui se passe dans le cercle familial ne sort pas. Alors là, dans le cercle familial, surtout quand c'est le cas, la fille sera vraiment, vraiment abusée et ça sera terrible. Comme je vous ai toujours dit, par l'expérience du travail, aujourd'hui ça fait 26 ans depuis que je fais ce travail, vous pouvez imaginer les choses que j'ai eu à rencontrer. J'ai rencontré des filles qui ont été abusées par leur propre père, par leurs propres oncles. Le plus souvent, dans ce genre de cas-là, quand la fille dit à sa mère ou aux oncles que papa m'a fait ceci ou cela, les gens ne croient pas. Tout le monde dit, qu'est-ce que tu veux dire là? Tu oublies que c'est ton père. Il va te maudire. Donc la fille se sent menacée, elle est obligée de se taire. Mais quand elle se tait, le traumatisme continue et on continue d'abuser d'elle. C'est vraiment terrible et dévastateur ce qui se passe dans les familles et dans les maisons. J'en ai croisé dans ce genre de situation-là. Connu par son papa, connu par son oncle. L'oncle arrive,
il vient prendre la fille chez sa mère parce que son père est décédé pour dire à sa mère, non, moi je vais élever l'enfant. Je vais lui assurer tout ce qu'il faut. Mais entre-temps, ce n'est pas ça le but. Il amène la fille jusqu'à chez lui, au village ou bien dans une ville, comme ici à Pointe-Noire. Et maintenant, cette fille devient sa femme. Parfois, cet oncle-là, les cas que j'ai croisés, ces oncles-là avaient même des femmes. Avaient des femmes. Mais la petite fille-là devenait sa seconde femme dans la maison. Dans ces conditions-là, elle est vraiment morte. Alors, il y a aussi donc abus sexuel lorsqu'il y a contact physique, mais l'individu ou la jeune fille n'a pas été consentante, ne voulait pas de cet acte sexuel-là. Maintenant, dans les contacts physiques, on les range en catégories. Il y a donc des contacts qu'on va qualifier d'assez graves, de graves et de très graves. C'est assez grave lorsque ça s'arrête à un baiser ou alors lorsqu'il y a attouchement du corps à travers les vêtements. Donc, la fille n'a pas enlevé ses vêtements et il y a eu attouchement pendant qu'elle était habillée. On dit alors que là, c'est assez grave, ce contact physique-là. C'est grave lorsque il y a eu attouchement. Vous m'excusez, hein? Je suis obligé de parler clairement. Vous me pardonnez. Ça va aider quelqu'un. Pourquoi je fais ça? Parce que l'un des problèmes que nous avons avec les sévices sexuels et toutes ces histoires que nous appelons les abus, c'est que souvent la personne abusée ne se rend même pas compte qu'elle est en train d'être abusée. Peut-être parce qu'elle ignore ce qui se passe, ou bien elle a peur de plein de choses. Donc, on va dire que c'est grave lorsqu'il y a attouchement ou pénétration manuelle, c'est-à-dire l'individu utilise ses doigts sur le corps de la jeune fille. Vous comprenez de quoi je parle? Ça sera aussi assez grave lorsqu'il y a stimulation de rapport sexuel, c'est-à-dire lorsqu'il y a caresse. Parce que quand on use de caresse, ça va amener la jeune fille à se sentir stimulée et donc avoir besoin de l'acte amoureux. Alors qu'en fait, elle n'était pas partante dès le départ. Vous avez provoqué ça. Vous l'avez presque obligé d'arriver là. C'est un abus. Et c'est aussi qualifié de grave lorsqu'il y a un contact génital. Donc là, lorsqu'il y a un contact génital, vous comprenez de quoi je veux parler. On n'est pas allé loin, mais il y a eu contact. C'est grave. Et ça sera qualifié de très grave lorsqu'il y a eu, par exemple, lorsqu'on arrive dans les cas des viols. Alors, toutes sortes de viols. Viol, par exemple, génital, viol anal, ou encore viol oral. Parce qu'aujourd'hui, la pratique du sexe est devenue très, 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 très sale. Et quand on parle de viol, lorsqu'il y a l'acte, il y a un acte sexuel sur une jeune fille, mais elle n'était pas consentante, elle ne voulait pas. Donc on la prend de force. Et quand on la prend de force, on dit qu'il y a viol. Le mal, c'est que même si vous allez à la police, à la gendarmerie, à la justice pour dénoncer cet acte-là, malheureusement, ça ne change pas ce qui a été fait. Et c'est là où il y a blessure. Donc en fait, on doit s'employer à reconstruire. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas dénoncer celui qui l'a fait. Au contraire, vous devriez. Mais je dis, en tant qu'éducateur, qu'on doit s'employer à la reconstruction de la jeune fille, sinon c'est toute sa vie qui sera arrêtée et détruite. Alors, les abuseurs
c'est-à-dire ceux qui, en général, agissent sur les jeunes filles pour abuser d'elles. Parce que, en fait, en ce qui concerne les abus sexuels, les personnes les plus vulnérables dans ce genre de cas-là, en général, ce sont les femmes, les jeunes filles et les femmes. Ça arrive aussi sur les jeunes garçons, mais la proportion n'est pas aussi importante que sur les jeunes filles et les femmes. Donc, les abuseurs, nous avons dans 29% des cas, dans 29% des cas, l'abuseur est un membre de la famille. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui appartient à votre famille, qui est de la même famille que vous. Vous êtes peut-être dans la même maison, ou vous êtes dans la même famille, c'est un cousin, c'est ton frère direct, c'est ton oncle, ton père, voire même ta mère. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui préfèrent avoir pour partenaire sexuel une jeune fille ou une femme. Moi, j'ai encadré une fille à l'époque, à l'école. À ma grande surprise, j'ai découvert que son partenaire sexuel, maintenant, c'est une femme, une dame. Et une dame bien assise qui est devenue partenaire sexuel de cette jeune, de cette pauvre jeune fille. Vous voyez, ce sont des choses donc qui arrivent. Et donc, dans 60% des cas, l'abuseur est un familier ou un ami. Attention, j'ai dit familier. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément un ami. Ça peut être un familier, tout comme ça peut être un ami. Un ami, c'est un ami comme vous l'entendez. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui vous êtes ami depuis peut-être longtemps ou bien récemment, vous êtes devenu ami. Mais quand je dis familier, ça veut donc dire que c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui vous connaît et avec lequel de temps en temps vous pouvez parler, échanger quelques amabilités. Bonjour, bonjour, comment tu vas? Ça s'arrête là. Donc c'est un familier. Ce n'est pas quelqu'un qui est étranger à toi. Tu connais bien cette personne. Et dans 11% des cas, l'abuseur est un inconnu. Donc quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui donc peut user de viol sur vous ou alors user de ces différentes pratiques dont je viens de parler là sur vous. Maintenant, quand quelqu'un, une jeune fille comme ça a été abusée, en tout cas, les causes qui amènent à cela sont vraiment multiples. Je ne saurais vraiment m'étendre là-dessus, sont vraiment multiples. Il y a déjà le fait qu'aujourd'hui, et c'était prévu dans la Bible, la bestialité devait faire partie intégrante de l'humanité. C'est-à-dire que les hommes, en ce temps de la fin, devaient devenir de plus en plus bestiaux. C'est-à-dire que le caractère de l'humain actuellement, c'est comme un animal. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi vous assistez aux attentats. Quand quelqu'un vient poser une bombe quelque part, il est parfaitement conscient que ça va tuer des vies. Mais lui, ce qu'il recherche, c'est justement tuer des gens. Mais comment, en toute âme et conscience, tu peux prendre plaisir à la mort des gens? Comment? C'est comme, par exemple, lorsqu'il y a abus sexuel. Comment, en toute âme et conscience, tu peux abuser d'une petite fille qui n'est pas consentante? Comment? C'était prévu. Il y a aussi pour cause le manque de nouvelle naissance, puisque le Christ est rejeté. La parole de Dieu est rejetée. Donc le manque de nouvelle naissance, le rejet de la parole de Dieu, sont autant de causes qui militent à ces choses aujourd'hui. La multiplication des films sexuels, donc des films pornographiques, les films érotiques où l'on parle des amoureux, ce sont toutes ces choses-là qui sont aujourd'hui causes de ce que nous sommes en train de voir. Mais à côté de cela, il y a aussi l'accoutrement des femmes. La façon mauvaise dont les femmes s'habillent aujourd'hui. Elles sont presque nues. Elles sont en culotte, en short, en vêtements complètement transparents. Laissons voir leurs sous-vêtements. Comment une femme sensée, comment une femme sérieuse peut s'habiller tout en sachant qu'on est en train de voir son caleçon. Mais c'est sale. Si vous voulez vraiment montrer votre caleçon, mais pourquoi vous ne sortez pas nu? Sortez nu, habillé en talons. Comme ça, nous comprendrons que vous voulez être comme une folle. Parce que quand quelqu'un se dévêt
c'est que il y a la folie qui a commencé. Hier, dans notre société, quand on voyait quelqu'un qui enlevait ses habits, on savait que cette personne était folle. Nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, la folie a changé d'étape. On voit des gens avec des jeans déchirés, déchirés partout. Mais hier, quand on voyait quelqu'un avec des habits comme ça, on savait qu'il était fou. Comment toi, tu portes un jean qui est déchiré partout? Mais un habit déchiré, hier, on ne pouvait pas sortir avec un habit déchiré. Il fallait raccommoder avant de sortir. Regardez ce que c'est devenu. Donc ça devient, c'est cause de toutes ces choses. Il y a comme effet sur la jeune fille la honte. La fille a honte. Honte d'elle-même. Honte de son propre corps. La fille a le mépris de son propre corps. La fille devient triste. Elle porte cette tristesse en longueur de journée. Ça peut la pousser. Naturellement, ça va la pousser à la solitude. Ça va aussi amener un manque de confiance en soi, mais aussi un manque de confiance sur les autres. Donc, elle n'arrive plus à faire confiance à quelqu'un à cause de cela. Ça peut l'amener au suicide, donc à se tuer. Mais il y a aussi d'autres effets, peut-être un peu mineurs, que ça amène, comme les échecs scolaires, la baisse du rendement scolaire. Et même si elle est en entreprise, on va constater que son travail va baisser. Parce que chaque fois qu'elle s'assoit, elle revit le film. Alors, comment on fait pour guérir d'une telle chose? Avant cela, laissez-moi vous dire une chose. Il y a des filles qui ont subi des abus sexuels, mais avec des gens qu'ils aimaient bien. C'est-à-dire, nous n'encourageons pas ça, mais comme chacune d'entre vous vient du monde, alors j'emploie cette expression-là. Elle avait un copain. C'était son copain. Ils vivaient ensemble depuis un certain temps. Parfois même peut-être certaines de ses amies connaissaient ce copain, voire même les parents. Un jour, le copain demande à avoir un contact avec elle. Ils font comme d'habitude parce qu'ils ont souvent fait ça. Mais ce jour-là, le copain exige certaines positions ou certaines choses que la fille ne voulait pas, comme par exemple le sexe anal. Ne voulant pas, il la prend de force dans cette position et ça devient ce qu'on appelle un abus sexuel, mais avec votre propre partenaire. Dans les maisons, il y a des femmes mariées qui sont violées par leur propre mari. C'est un viol. Ne pensez pas que le viol, c'est seulement quelqu'un du dehors. Nous avons dit qu'il y a aussi les membres de la famille qui le font. Quand la femme est mariée, s'il y en a parmi vous ici qui sont mariés, mais elle n'a pas envie d'avoir un moment comme ça avec son mari, elle dira à son mari, là, je ne peux pas, ou je ne veux pas, je suis malade, ou je suis fatigué. Mais si le mari la prend de force, c'est un viol. Et ce viol-là, c'est un abus sexuel. Dans la maison. Vous comprenez bien que cette femme-là n'ira pas voir la police, surtout dans notre société. Mais en Europe, oui. En Europe, elle ira voir la police, elle ira à la justice. Mais ici, chez nous, ça ne se fait pas. Enfin, c'est rare. Surtout quand ça se passe dans le cercle familial. C'est assez rare. Ça s'appelle un abus sexuel. Et pourtant, c'est avec quelqu'un qui est vraiment ton partenaire, mais c'est un abus sexuel. Alors, comment on fait pour guérir d'une telle chose? Pour guérir d'une telle chose, le premier pas, c'est d'en parler avec quelqu'un. Mes sœurs, si vous n'en parlez pas avec quelqu'un, vous ne guérirez jamais de cela. Vous allez vivre avec ce traumatisme, il va grandir avec vous et ça sera difficile. Et une jeune fille qui a été abusée sexuellement dans le passé,
et qui se retrouve dans un mariage, je vous dis, ce mariage va connaître de sérieux problèmes. Pas parce que la fille n'aimera pas son mariage, pas parce que la fille n'aimera pas son mari, mais parce qu'il y a un traumatisme qu'elle traîne et qui va se manifester comme des réflexes de temps en temps. Et donc, chaque fois, par exemple, que son mari lui dira « j'ai besoin de toi », elle va se cabrer pour dire « non, 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 je suis fatiguée ». Elle va trouver une raison pour s'excuser. Mais en fait, elle ne s'excuse pas parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle a maintenant peur du masculin. Et souvent, ces jeunes filles-là refusent même le mariage. C'est parmi les effets que ça mène sur ces filles. Elles refusent le mariage, elles ne veulent plus se marier, ne veulent plus avoir un contact avec l'autre sexe, c'est-à-dire la personne de sexe masculin. Donc, le premier pas, c'est d'en parler. Mais en parler avec qui? D'abord, quand vous en parlez, ça vous permet d'extérioriser la douleur que vous avez au-dedans de vous. Et quand on a fini d'extérioriser, on se sent bien. Et si par grâce, on a eu devant soi un homme, un conseiller qui est lui-même parfaitement équilibré, en tout cas là, vous allez guérir. Parce que l'un des problèmes que nous avons dans nos sociétés, surtout chez nous en Afrique, c'est qu'on a des gens qui ne maîtrisent pas cet art de conseiller et qui, comme ça, s'improvisent en conseiller et essayent donc d'aider les gens alors qu'eux-mêmes avaient besoin d'être conseillés. C'est le cas des pasteurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte le titre de pasteur qu'il peut être un bon conseiller, non. Il faut qu'il connaisse l'art et maîtriser cet art. S'il ne connaît pas cet art et ne maîtrise pas cet art, il ne sait pas de quoi il parle déjà pour commencer, il ne vous connaîtra nulle part. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Le conseiller. Le conseiller, je le dis comme ça, certains conseillers aussi qui parlent avec ces jeunes filles dans les différents milieux le sachent. Le conseiller doit faire preuve de tact. Qu'il soit pasteur, qu'il soit médecin, qu'il soit je ne sais pas qui, gendarme, peu importe. Il doit faire preuve de tact. On ne peut pas prendre une personne qui est dans cet état-là brutalement. Il faut faire preuve de tact pendant que vous commencez à parler avec cette personne. Et quand vous parlez avec cette personne-là, vous devez laisser la victime découvrir par elle-même l'ampleur du drame vécu. C'est-à-dire, ce n'est pas au conseiller de dire à la victime « cette affaire est grave, cette affaire t'a tué ». Non, vous la tuez davantage, elle a besoin d'être relevée. Donc, comment la victime va faire pour découvrir par elle-même l'ampleur du drame? C'est dans son propre discours. Pendant qu'elle est en train de parler, pendant qu'elle parle, elle-même en parlant, en expliquant ce qu'elle a vécu, elle est en train de découvrir combien ce qu'elle a vécu est grave et dramatique. En même temps, en découvrant ça, elle est en train de se guérir. Parce que, finalement, elle prendra en ligne de compte la réalité. Et le conseiller doit croire ce que cette jeune fille ou cette femme est en train de dire. Parce que souvent dans ces cas-là, on a du mal à croire ces jeunes filles. C'est pourquoi les drames continuent dans les familles. Il y a beaucoup, pendant que je parle là, il y a des filles qui sont en train d'être abusées. Donc, le conseiller doit croire ce que la jeune fille est en train de dire. Il est possible que ce soit une histoire montée de toutes pièces. C'est vrai. Mais au début, nous croyons d'abord. Question de faire que, en la croyant, elle voit bien que je la crois pendant qu'elle me parle. Alors, elle entre en confiance. Ça lui donne alors la possibilité de s'ouvrir davantage. Or, c'est ça le but que doit poursuivre le conseiller, celui qui est devant cette jeune fille et qui veut sa guérison. On ne guérit pas de cela avec un médicament. C'est parce que je suis en train de vous montrer là. Et le conseiller doit éviter les phrases du genre. Je dis bien éviter. Les phrases du genre, bon, ce n'est pas grave. De toute façon, ce n'est arrivé qu'une seule fois. De toute façon,
C'est arrivé il y a longtemps. Il a fait une erreur, comme tout le monde peut faire une erreur. Ces genres de phrases-là, on doit les éviter. Parce que même si c'est une erreur, mais le mal est fait et il est là. Donc on ne peut pas dire que c'était une erreur. Non, c'est ça qu'il faut éviter. Donc le conseiller veillera à laisser la fille ou la femme parler. En parlant, elle se vide, elle se vide, elle se vide. Et après, il usera maintenant de sagesse dans les conseils appropriés pour pouvoir relever l'estime de cette fille. Parce que justement, le combat consistera à relever l'estime de la jeune fille ou de la femme qui se sent comme ça brisée, meurtrie, sinon ravagée. Mais encore, le conseiller doit être quelqu'un de discret, de confiance. On ne peut pas parler à n'importe qui. Ça va se retrouver dans la rue. Et si ça se retrouve dans la rue, vous êtes doublement tué. C'est pourquoi ça doit être quelqu'un qui sait garder les secrets des gens. Et c'est ici l'occasion de dire sérieusement, si quelqu'un dit qu'il est pasteur, il doit savoir que les choses que les gens lui expliquent, il doit mourir avec. S'il ne peut pas mourir avec, il doit laisser l'histoire d'être pasteur. Il doit laisser le pastorat. Même chose pour le diaconat. Tu es diacre. Même si l'année prochaine ou n'importe quelle année, tu n'es plus diacre. Les choses des enfants de Dieu que tu traitais, tu meurs avec. Si tu essayes d'en parler à ta femme ou à d'autres personnes, parce que même ta femme ne doit rien connaître de tel. Je dis même ta femme, la femme du pasteur, ne doit pas connaître. La femme du diacre ne doit pas savoir. Les médecins n'ont pas expliqué à leurs femmes ce qu'ils vivent à l'hôpital. Ils peuvent parler de façon générale, mais il ne doit rien dire qui fasse que sa femme reconnaisse cette patiente-là. C'est tuer la patiente. On appelle ça briser le secret médical. Et ça peut aller jusqu'au tribunal. Le secret médical. Donc, voilà comment on fait pour sortir de telles choses. Il n'y a pas de médicaments à prendre. Le problème, c'est seulement trouver quelqu'un d'assez sage, un conseiller avec lequel vous pourrez parler, et alors vous allez vous reconstruire avec l'aide de ce conseiller-là. Vous allez vous reconstruire. Il y a aussi l'aide du Saint-Esprit. Lorsque le conseiller parlera avec vous, le Saint-Esprit lui dira au fur et à mesure ce qu'il doit faire. Et c'est des choses que nous constatons lorsque nous recevons les gens et lorsque nous traitons leurs problèmes. J'ai traité beaucoup de problèmes. Ces problèmes dont je parle là, mais justement parce que j'ai traité tous ces problèmes-là tout le temps et tout le long de mon ministère. Des femmes mariées, mais violées dans la maison familiale. Violées par son propre mari. J'ai traité tout ça. Des jeunes filles dans des conditions terribles. Et entre autres solutions, parce que là j'ai parlé de la façon dont on guérit de ce problème, mais entre autres solutions, et là je parle à ceux qui ont pouvoir de décision sur la femme ou sur la fille qui est en train de vivre cet abus-là, on doit déplacer cette fille. Si elle est violée par son père, par son oncle ou quoi, la fille doit quitter cette maison. On doit la placer dans un autre domicile. Parce que si vous la laissez dans cette maison où elle a subi ce traumatisme-là, elle continuera à subir le même traumatisme, elle continuera à être abusée, et chaque fois, vous voyez, voir les murs, le lieu où elle a été abusée, ça va toujours revenir. Déplacer pour déjà arrêter l'abus et après maintenant trouver quelqu'un qui pourra parler avec elle pour sa reconstruction. Voilà pour les abus sexuels. Alors, deuxièmement, nous parlons sur les sévices non sexuels. Les sévices non sexuels. D'abord, pour commencer, un sévice. Comme je l'ai dit, quelqu'un peut être en train de vivre ça sans le savoir. Je m'explique. Un sévice, c'est un mauvais traitement
exercée par une personne ayant autorité sur une autre personne placée sous son autorité. C'est ça un service. Je prends un cas. Moi, je suis père. Mes enfants sont sous mon autorité. Ma femme est sous mon autorité. Moi, je suis pasteur. Mes brebis sont sous mon autorité. Moi, je suis enseignant à l'école. Mes élèves sont sous mon autorité. Vous comprenez? Moi, je suis chef d'entreprise. Eh bien, mes employés sont sous mon autorité. Moi, je suis chef de service quelque part. Eh bien, mes subalternes sont sous mon autorité. Moi, je suis recruteur dans une entreprise. Ceux qui arrivent là, en tout cas, quelque part, sont sous mon autorité. Parce que je peux utiliser l'autorité qu'on m'a donnée de recruter pour monnayer le recrutement. En demandant, par exemple, d'être payé en nature. Vous connaissez comment ça se passe. Alors, dans les services sexuels, nous commençons par les coups et blessures. Coups et blessures et violences diverses. Il y a dans ce bloc-là, parce qu'on les range en catégories, donc dans cette catégorie-là, nous avons, dans cette catégorie-là des coups et blessures et violences diverses, nous avons les sévices physiques. Il y en a beaucoup. Je ne saurais les citer. Je vais vous montrer, par exemple, un fait qui est courant dans nos maisons. Vous voyez, il y a des parents qui attrapent leur enfant par l'oreille. Toi, tu n'entends pas, toi. Ça, c'est un sévice. C'est pas bien. On ne fait pas ça à un enfant. Surtout pas à un enfant qu'on aime. Vous êtes censé aimer vos enfants. Vous qui êtes déjà mère, ceux qui nous regardent dans la cité, on ne fait pas ça à un enfant. Il y en a qui soulèvent même l'enfant par les oreilles. On attrape les deux oreilles, on soulève comme un lapin. Moi, je vous dirais, c'est un crime. En Europe, si tu fais ça, tu es le papa de l'enfant, tu te retrouves à la police. Tu te retrouves au tribunal. Et le tribunal décide de t'enlever ton enfant et de placer cet enfant-là dans une famille d'accueil. C'est ici en Afrique où les gens ont peur. Si vous venez enlever l'enfant, il va bouffer cet enfant-là. Parce que vous prenez l'enfant, vous mettez en famille d'accueil, lui bouffe l'enfant depuis là où il est. Donc on préfère le fait de laisser l'enfant dans la même famille. Mais pour subir quoi? Les mêmes sévices. Dans la même catégorie toujours, il y a les coups. Les coups, on dit des coups par agent contendant. C'est-à-dire contendant. Pour ceux qui veulent, le mot c'est C-O-N. T-O-N et à la fin D-A-N-T. C'est-à-dire, ça meurtrit l'enfant, mais sans le couper ou le piquer. C'est ça qu'on appelle un agent contendant. Un exemple. Il fut un temps où dans nos écoles, on utilisait des chicottes sur les enfants. Et quelles chicottes? C'est les courroies de transmission des voitures qu'on prenait. Donc on nous fouettait comme des esclaves. Ça ne se devrait pas. Gloire soit rendue à Dieu, cela avait été supprimé. Vous voyez, il est vrai que ça disciplinait les enfants, je suis d'accord. Mais c'était quand même des coups. Il y a aussi les coupures et les plaies par arme blanche. Alors, dans les coupures et les plaies, vous voyez, on frappe quelqu'un et il peut se blesser.
Et qu'est-ce qu'on entend par âme blanche? Il y a par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là, en fait, c'est quelque chose qui, pour commencer, n'était pas censé faire mal ou tuer. Mais un mauvais usage de cette chose-là, un usage détourné, eh bien, peut faire mal. Le cas d'une ceinture. Vous voyez, le papa qui veut taper sa fille, il enlève la ceinture. C'est vrai, mais c'est une arme blanche. Vous comprenez? Et il y a aussi les brûlures physiques ou chimiques. Sous l'effet de la colère, on brûle l'enfant. Ne vous étonnez pas, ça se fait. On prend le sachet, on met au feu et on laisse tomber le produit devenu humide là. Plutôt liquide là sur l'enfant. Et ça le brûle, ça enlève la peau. Et on peut utiliser des produits chimiques, par exemple de l'acide qu'on jette sur quelqu'un, ça enlève une bonne partie du visage. L'acide, on ne joue pas avec. Sur le visage de quelqu'un, ça va être une blessure. Donc la brûlure peut aller jusqu'au troisième degré, on ne sait jamais, selon la quantité que vous avez reçue. Et si c'est aux yeux, en tout cas là, il faut la grâce de Dieu pour que vous puissiez garder vos yeux. Vous voyez là où la colère amène les gens. Et il y a les fractures. Donc, on casse un membre. Comment vous allez casser le membre de votre propre enfant? On ne devrait pas. À côté de ces coups et blessures, nous avons un autre groupe, les sévices psychologiques. Les sévices psychologiques. Vous avez par exemple les menaces. Tu vas voir. C'est une menace. Et ça traumatise l'enfant. Ça traumatise la personne qui est ainsi menacée. Les terreurs, quand vous vivez dans la peur, parce que vous craignez quelqu'un, vous craignez quelque chose. Et dans les familles, il y a des choses de ce genre. Il y a des enfants qui ne sont pas libres dans leur propre maison. Il vit chez papa et maman, mais cet enfant n'est pas libre. Quand papa quitte le travail, il rentre à la maison, les enfants se dispersent. Il y en a qui vont dans les chambres, d'autres à la douche, il y en a dans les toilettes, d'autres sous les lits, tout ça. Ça, ce n'est pas une maison. Ça, ce n'est pas une maison. Dans une vraie maison, on doit accepter une part de l'erreur à tout un chacun, à chaque membre de la famille. On doit se comprendre, se parler. Et la vie doit se mener ensemble. Donc il y a les terreurs, il y a les séquestrations. Donc on enferme l'enfant dans une chambre et elle ne sort pas pendant une journée, deux journées, sinon plusieurs jours. Ne sort pas. C'est comme une prison pour une raison ou pour une autre. Les empêchements au sommeil. Oh là là. Oh là là. C'est-à-dire on fait exprès et on vous empêche de dormir expressément. Ce n'est pas qu'ils ne font pas, non, ils font exprès. Ils mettent la musique pour que vous ayez mal, que vous n'ayez dormi pas. On réveille les petits-enfants, on leur dit, faites du bruit, chantez. Mais je vous dis sincèrement, et les enfants crient, tapent sur la table, on allume la télévision, on met la télévision en marche, on augmente le volume pour vous empêcher de dormir. Quand quelqu'un ne dort pas, il est traumatisé. Il y a l'exposition au froid. Donc, on vous empêche, par exemple, de rentrer à la maison. Vous dormez dehors. Quelle punition! Un papa qui fait dormir sa fille dehors ou son fils dehors, mais il est cruel. Il y a des punitions qu'on ne peut pas infliger aux enfants. Ça, par exemple, on ne peut pas et on ne doit pas. Mais quand l'enfant est dehors et qu'un bandit passe par là, viole cette fille-là ou la tue, toi, tu diras quoi? Tu vas te féliciter. Il faut te féliciter pour ce que tu voulais. Donc, l'enfant ne doit pas être exposé au froid. Il faut faire rentrer l'enfant à la maison. Il y a les humiliations quotidiennes. Oh là là! Tous les jours, dans cette maison-là, tout ce qui se fait de mal dans cette maison, c'est cet enfant-là.
on n'a pas lavé les assiettes. Toi, tu n'as pas lavé les assiettes. Alors que ce n'était pas son travail. C'est l'enfant. Tu n'as pas fait ceci. Tu n'as pas balayé. L'enfant devient comme un esclave, sinon une esclave pour les jeunes filles. L'enfant est humilié, injurié, insulté. Parfois, même pour manger. Tous les autres enfants mangent d'abord. Elle doit manger à la fin. On lui donne les miettes, ce qui reste du fond de la marmite. Et vous voyez, une jeune fille qui grandit de cette façon-là, je vais vous montrer ça bientôt dans autre chose que nous allons voir, eh bien, est en train de mal grandir. Elle sera une très mauvaise maman. Vous avez une nation que vous êtes en train de former, comme un pays comme le nôtre. Moi, j'ai toujours dit, chez nous en Afrique, c'est encore une page blanche sur laquelle nous devons écrire. Et c'est à nous d'écrire l'histoire de notre nation. Mais avec des jeunes mamans comme ça, qui sont en train de mal grandir là, quelle éducation ils vont donner aux enfants? Quand elles-mêmes n'ont pas eu l'éducation, une éducation suffisante, elles vont te dire quoi à leurs enfants? Vous voyez? Donc du coup, les générations futures sont déjà hypothéquées à cause du fait que les générations présentes sont en pleine destruction. Permettez-moi de le dire. C'est pour cette raison, nous, jeunesse chrétienne, nous devons nous réveiller, être debout et prendre notre position. Alors, il y a un autre groupe, toujours dans les services non sexuels, un autre groupe de services qu'on appelle les privations d'aliments ou de soins. On refuse à manger à l'enfant. Mes chères sœurs, vous qui n'êtes pas encore mariées et vous qui êtes déjà mariées, je lève ma main au nom de Jésus de Nazareth. N'infligez jamais cette punition-là aux enfants. Ne leur privez jamais à manger. Jamais. Faites jamais ça. Donc, il y a les privations d'aliments. Si vous privez votre enfant à manger, vous allez développer dans cet enfant le vol. Vous allez développer dans cet enfant un esprit de la rue. Il ira chercher la nourriture dans la rue. Et chez la jeune fille, ça sera une sexualité précoce parce qu'elle n'arrive pas à tenir. Elle est obligée de se trouver un copain afin d'avoir quelqu'un qui la soutienne. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent arriver. Lors d'une fête de Noël, excusez-moi, c'est un peu dans le même cadre. Une jeune maman est allée voler dans un supermarché en France. Je ne sais plus c'était le Noël de quelle année. Mais elle a volé dans le supermarché. On l'a arrêtée. On l'a amenée à la police. Arrivée à la police, elle a dit à la police que je n'avais rien à offrir à mes enfants comme cadeau de Noël. Je souffrais de les voir dans cet état. C'est pourquoi je suis allée voler. Même les policiers ont eu le cœur fendu. On l'a relâchée. En d'autres termes, devant le manque, le vice apparaît. Si vous ne voulez pas voir le vice, donc les mauvais comportements, apparaître dans vos enfants, ne leur privez jamais à manger, je vous le dis. Parce que là, vous êtes tous comme des anges devant moi là. Mais une fois dans la maison, dans vos propres maisons, avec vos enfants, ou bien quand vous serez, vous devenez une maman terrible. Une maman lionne. Ça ne doit pas être comme ça. Et il y a aussi la privation des soins, je l'ai dit. La privation des soins, c'est donc, on ne prend plus soin de cet enfant-là. Quand vous regardez l'enfant, il est sale. Sale. Son hygiène est vraiment dérisoire. Parce que personne ne s'intéresse à lui. C'est un traumatisme. Et donc, quand on arrive dans une maison, on peut tout de suite faire la différence entre certains enfants et cet enfant-là qui est négligé. Et vous voyez cet enfant-là qui voit les autres bien habillés et propres et lui toujours sale. Ça crée un traumatisme.
Quelqu'un m'avait raconté un témoignage. Je ne citerai pas le nom de la personne, mais je veux vous en parler pour que vous compreniez un peu l'ampleur de ce que je dis. Il vivait chez son oncle et il était tout petit. Tout petit. Il y avait une fête de Noël et l'oncle a pris tous ses enfants, y compris lui, qui était un neveu, a mis dans sa voiture, il dit « Allons au magasin ». Ils arrivent au magasin, ils rentrent, l'oncle choisit des vêtements et tout ce qu'il fallait pour ses enfants, tout le monde. Chaque enfant sortait avec un sachet plein de nouveaux vêtements, sauf le neveu. Il est sorti main vide. Et ça a laissé dans cet homme-là un traumatisme. Quand il m'en parle, il est déjà très adulte. Vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Donc, quand on ne prend pas soin d'un enfant, c'est de ce soin-là dont je parle. S'occuper de cet enfant, c'est de ça dont je parle. Ça crée des traumatismes. Combien de traumatismes comme ça on a dans nos familles, dans nos foyers, là où il y a des neveux, des nièces et tout le reste. Pour bien élever les enfants, la jeunesse, il ne faut pas faire de distinction. Donner la même chose à tout le monde. Comme ça, on donne les mêmes chances à tout le monde. Mais il y a une autre chose encore. Nous sommes toujours dans les services non sexuels. Il y a un autre groupe qu'on appelle la cruauté mentale. La cruauté mentale. Alors, la cruauté mentale, je vais expliquer, vous allez comprendre. Et vous allez voir que ça se passe dans nos familles, dans nos maisons. C'est l'exposition répétée d'un enfant ou d'un jeune homme, d'une jeune fille, à des situations dont l'impact émotionnel, eh bien, dépasse les capacités d'intégration psychologique de son âge. Des choses, en fait, qui ne sont pas de son âge, on soumet cet enfant à ces choses-là. Mais ce n'est pas de son âge. Je prends un cas. Voilà une petite fille qui a peut-être 11 ans, 10 ans, peut-être même 15 ans. Et qui se retrouve chez son oncle ou chez sa tante. Désormais, les enfants de cette femme-là ne travaillent plus. C'est elle qui lave les assiettes, qui balaie la maison. C'est elle qui lave les habits de ses enfants, les enfants de cette femme-là. C'est elle qui lave les habits de cette femme-là. C'est elle qui lave les habits du mari de cette femme, jusque même aux sous-vêtements de son mari. C'est elle qui lave. C'est elle qui va au marché. C'est elle qui vient faire la cuisine. Ça dépasse les capacités d'intégration psychologique de l'âge de cette pauvre fille. Vous voyez combien de gens on est en train de tuer. Les gens pensent que tuer quelqu'un, c'est seulement prendre une arme et tirer sur cette personne. Ça, c'est tuer la jeune fille. Et on soumet cette jeune fille de façon répétée à ces choses. C'est vraiment extrêmement grave. Alors, dans des conditions pareilles, la chose à faire, c'est de sortir cette jeune fille de ce milieu-là, afin de la placer dans une autre famille, là où elle pourra avoir une vie normale et elle pourra subir les choses qui correspondent à son âge. Mais encore, il faut avoir l'autorisation des ayants droit de cet enfant ou de ce jeune homme-là. On ne peut pas prendre quelqu'un, surtout quand il n'a pas encore la majorité, sans l'accord de ses propres parents, de ses géniteurs, ou de ceux qui ont la responsabilité de ce jeune homme ou de cette jeune fille, si les géniteurs, les parents étaient décédés. Mais en dehors de cela, il y a aussi
et ça je le dis à vous, si jamais ici il y a des jeunes filles qui connaissent ces choses-là, il y a aussi le courage, la force. Soyez déterminés à réussir dans votre vie. Ça vous permettra de pouvoir avoir une vie normale. Si maintenant vous vivez des choses de ce genre, soyez forte, n'abandonnez pas. La vie appartient aux personnes qui sont courageuses. Vous me comprenez? N'abandonnez pas. Soyez forte. À côté de cela, il y a le fait que vous devez trouver des amis. Je ne parle pas des petits amis. Je me fais comprendre. Hein? Je parle des amis qui pourront vous aider de temps en temps. Parce qu'il y a des amis qui ont une situation de vie un peu plus agréable avec leurs parents. Ils peuvent toujours vous donner de temps en temps de l'aide. Il y a aussi les églises. Même si toute église sérieuse doit savoir qu'elle n'a pas à remplacer la famille, mais les églises également peuvent apporter de l'aide. Surtout, par exemple, en s'associant aux familles, en demandant l'autorisation des familles pour apporter de l'aide. Les églises doivent aussi le faire. Les pasteurs. Pour soutenir ces personnes dans cette condition de faiblesse. Alors, j'ai plein de passages ici, mais je ne voudrais pas vous les donner. On ne va pas les lire pour que je puisse, ça me permette d'arriver à la fin parce que j'ai des choses très importantes à vous dire. Vous pourrez regarder dans la Bible. Vous notez seulement, vous regarderez cela à la maison. Jérémie 22, le verset 3. Jérémie 22, verset 3. Actes chapitre 7, le verset 26. Actes 22, le verset 25. Et vous pourrez également ajouter Deutéronome chapitre 26, le verset 7. Proverbe 14, verset 31. Ce passage-là, il est très important. Proverbe 14, verset 31. Et il y a aussi 1 Chronique, chapitre 16, le verset 21. Une sœur va quand même lire Proverbe 14, verset 31. Ce passage est très important. Proverbe 14, verset 31. On va lire au moins ce passage. Il y a une sœur ici. Lisant au nom du Seigneur. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indige, c'est l'honorer. Amen. Si vous opprimez quelqu'un, vous êtes en train de le faire à celui qui a créé cette personne. Je voudrais dire, si parmi vous, jeunes filles, il y en a qui ont subi des traumatismes de ce genre, n'oubliez pas, celui qui a fait ça contre Dieu. Et il va payer. Il y a toujours un temps pour toutes choses. En d'autres termes, votre Dieu vous vengera. Il va payer pour ça. On paye toujours. Il va payer. Alors, le dernier point sur lequel je veux parler, c'est pourquoi j'étais en train de courir pour arriver là, parce que ça, c'est vraiment terrible et subtil. Les abus rituels. Les abus rituels. Rituels, comme vous l'entendez. R-I-T-U-E-L. S, puisque nous parlons des abus. Alors, les abus rituels sont, en fait, toute forme de maltraitance sur un enfant, sur un adolescent ou une adolescente, sur un adulte ou une adulte, mais comprenant de la violence
physique, sexuelle ou psychologique, mais sous la forme de rituel. Sous la forme de rituel. Quand j'emploie le mot rituel, je sais que chacune d'entre vous va déjà à ce qu'on appelle le satanisme. Mais détrompez-vous. Ici, rituel veut certes dire satanique, mais pas seulement. Ici, rituel veut aussi dire protocole ou méthode. En d'autres termes, ces sévices-là qui sont donc infligés aux individus, ces sévices sont donc infligés à ces individus-là par une sorte de protocole, de méthode. Maintenant, ces abus rituels sont rarement isolés. Rarement isolés. C'est-à-dire que c'est difficile, c'est assez rare de voir que ça ne soit fait que sur un seul individu, ou alors même juste comme ça. Souvent, même quand c'est sur un seul individu, que ça soit juste une fois et puis c'est tout. Non, c'est souvent sur des masses, donc une foule de gens, et même quand c'est sur un individu. Mais c'est toujours en général répété et ça s'étend sur une longue durée, ces abus-là. Jusque-là, vous ne comprenez pas encore, vous allez comprendre. Il se trouve que lors de ces abus-là, la violence est vraiment extrême. Et ça va jusqu'aux tortures et aux meurtres. Je prends un cas pour vous plonger déjà dans le bain. Lorsqu'il y a sacrifice humain, mais c'est un abus rituel. On prend un être humain et on sacrifie cet être humain-là à une quelconque divinité. Ça se fait dans certaines coutumes. Ça s'appelle un abus rituel. Parce que l'individu qui a été sacrifié n'était pas consentant. N'avait pas accepté d'être tué. On l'a attrapé, on l'a amené généralement de force et on lui fait subir cette torture jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça s'appelle un abus rituel. Alors, ces abus ont des bases. Quelles sont les bases de ces abus rituels? Il y en a deux en particulier. Deux bases. Premièrement, le traumatisme. C'est-à-dire, un abus rituel a pour but de créer dans un individu un traumatisme. Deuxième base, le fractionnement de la personnalité. Fractionnement, comme les fractions que vous avez étudiées à l'école. Le fractionnement de la personnalité. On dit encore la dissociation de la personnalité. Et là, nous sommes dans un processus satanique. J'ai employé le mot correct. Satanique. Vous êtes loin d'imaginer que vous subissez déjà cet abus-là sans vous en rendre compte. Oui. Vous êtes loin d'imaginer ça. Il n'y a pas dans cette salle quelqu'un qui n'a pas subi cet abus-là, ici. Vous n'avez peut-être pas été sacrifié, mais vous êtes passé par cet abus. Suivez-moi bien. Quels sont les buts poursuivis? Donc, les effets, en fait, les buts poursuivis par les abus rituels. Il y en a particulièrement trois.
la manipulation, c'est-à-dire que cet abus vise la manipulation de l'individu. On te manipule, tu n'es plus toi-même. Tu ne fais plus exactement ta propre volonté, mais tu fais la volonté du manipulateur. Deuxièmement, comme but ou effet, la programmation. Malheureusement, ok, c'est triste. La génération mondiale aujourd'hui, le monde entier est dans une programmation et les gens ne se rendent pas compte. Vous êtes en train d'être programmé. Et ceci, c'est dans le monde entier. Toute la jeunesse, même la classe adulte, tout le monde est programmé. Troisième but, le contrôle mental. On contrôle le mental de l'individu. C'est justement pourquoi on a parlé du fractionnement de la personnalité. Donc, la personne est dissociée. Le but, que justement, on ne permette pas à l'individu de réfléchir, de raisonner et de rejeter certains avis ou certaines pratiques qui sont courantes dans le monde d'aujourd'hui. On ne veut pas que les gens réfléchissent. Qui? Satan. Au travers de qui? Des manipulateurs. Donc d'autres humains, des individus qui usent de manipulation sur les manipulés. Alors, je répète, les buts poursuivis ou les effets, il y en a trois. Il y a la manipulation, la programmation et le contrôle mental. Et je vous dis, ce sont ces choses-là qui sont utilisées partout dans toutes les sociétés. Et dans la quasi-totalité des milieux. En dehors des milieux chrétiens sérieux. Mais partout, même à l'école, c'est utilisé. Les habits rituels. De quoi s'agit-il? Il s'agit de créer des esclaves. Donc, vous êtes là, mais vous êtes esclave. Vous voyez, l'esclave fait quoi? La volonté de son maître. Donc, vous n'êtes plus maître de vous-même. Et c'est ça le but poursuivi par ces abus-là. Je vais employer un mot plus fort. Il s'agit de créer des candidats mandchous. J'appelle le mot pour vous, mandchous. M-A-N-D-C-H-O-U-S. Les candidats mandchous, ce sont des individus qui ont subi un lavage de cerveau et qui finalement sont programmés pour tuer. Voilà la génération d'aujourd'hui. Lavage de cerveau est programmé pour tuer. Vous avez du mal à comprendre que vous soyez programmé pour tuer. Et pourtant si. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que même la façon dont nous traitons nos enfants, je parle par exemple du côté méchant, ça vient des films que nous regardons. Mais ça vient aussi de quoi? De l'éducation que vous avez reçue, même à l'école, des livres que vous avez lus. Ça fait quoi? Ça formate votre esprit et ça vous amène dans un sens. Les livres là ont été écrits par qui? Par Dieu. C'est pas des humains, non? Mais vous, à l'école, quand vous parlez d'un écrivain, mais vous le divinisez presque. Pour vous, ce que cet écrivain-là a dit est absolu. Tel écrivain avait dit. Quand vous dites ça, les gens trouvent, ah là c'est bon.
Mais et pourtant, c'est un humain comme toi et moi qui a dit ça. Mais au lieu de le dire verbalement, il a mis cela par écrit. Et ça a donné un livre. Suivez-moi bien. Je vous apprends que ce dont je parle là est très sérieux. Les Américains, par exemple, ont mené des expériences sur la question pendant plusieurs années pour voir comment on peut arriver à mieux manipuler les gens. Et des résultats en sont sortis. En Angleterre, on avait créé même un institut pour ça, seulement pour ça. Des résultats en sont sortis. Et ces résultats sont exploités partout pour la manipulation des masses et donc de la pauvre jeunesse. Dans un pays, on peut interdire certains films, non? Oui. On peut mettre une loi pour dire tel film ne rentre pas. Mais et pourtant, ce sont ces choses-là qui sont tentées de formater la jeunesse. Mais dans quel sens? Mais dans le sens dans lequel va le film. Il y a eu les attentats du 11 septembre. Je n'encourage pas ça. D'ailleurs, ce sont des choses que nous condamnons. Nous, les chrétiens, nous sommes contre la violence. Mais je vous apprends que les Américains eux-mêmes, avant le 11 septembre, étaient en train de tourner un film où il y avait un avion qui venait s'encastrer sur le World Trade Center. Ils tournaient un film. Vous voyez que c'est dans les films qu'on voit ces idées-là. Et donc, je crois, juste avant la sortie de ce film-là, il y a eu cet attentat. Mais quand vous tournez le film, mais les gens assistent quand vous tournez. Je sais qu'il y a des choses qui sont montées en laboratoire, mais les gens assistent. Ce qu'on voit dans les films là, en Afrique du Sud, aujourd'hui en Afrique du Sud, quand il y a vol, ce n'est pas les petites histoires de vol là comme ici, quelqu'un vient voler une boîte de tomates, non. Les voleurs viennent en hélicoptère, ils descendent armés, ils rentrent dans un magasin. Tout le monde, couchez-vous, en armes. Ils prennent les téléphones portables de tous les clients qui étaient là. Ils prennent l'argent, ils dévalisent tout. Ils finissent, ils remontent l'hélicoptère, ils repartent. Mais ça, c'est digne d'un film de Hollywood. Mais ça se fait dans la réalité en Afrique du Sud, comme ça, concrètement. Nous, ici, on n'a pas encore ça, mais là-bas, c'est concret, vécu comme ça. Mais ça vient d'où? Le cinéma. Donc, ces choses-là sont en train de formater les esprits des gens. Et donc, sans s'en rendre compte, ces gens-là, ces voleurs-là, sont manipulés. Lors de cet abus-là, l'individu qui est ainsi abusé de façon rituelle développe une charge émotionnelle négative considérable qu'il va finalement retourner contre lui-même ou contre autrui. Regardez, je prends encore un cas. Une fille qui vit chez sa tante ou chez son oncle, mais qui est abusée. Il garde une colère. Cette fille-là deviendra nerveuse. Cette fille deviendra irritable. Et donc, du coup, de temps en temps, ça va se ressentir dans son comportement. Ça peut l'amener à être violente avec la société. Donc, quand elle est en face de quelqu'un d'autre, elle peut être très agressive. Surtout si vous l'insultez, vous lui faites du mal. Elle réagit comme ça. Parce qu'elle a subi un traumatisme dont elle n'a pas encore été guérie. Alors, quels sont donc les moyens utilisés par ces abus pour justement arriver à ces fins? Donc, au contrôle mental, à la manipulation, à le fractionnement de l'homme. Quels sont donc, en fait, les moyens utilisés? Ça va vous étonner, suivez-moi bien. C'est pourquoi je vous ai dit que dans cette salle, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas subi ça. Et dans le monde entier, tout le monde est en train de subir ça. Suivez-moi bien. Il y a, pour commencer, les méthodes d'apprentissage et les programmes scolaires et universitaires. Oui. C'est une forme de modélage du futur adulte. Dites-moi, si je parle avec vous maintenant, quand vous allez parler avec moi, en fait, ça sera l'expression de ce que vous avez étudié, de ce que vous avez appris tout au long de votre cursus scolaire et universitaire. Finalement, votre apprentissage a fait quoi? Ça vous a formaté. Dans quel sens?
mais dans le sens de ceux qui ont écrit les lois et les théorèmes que vous avez étudiés. Vous voyez maintenant? Vous êtes formaté, mais dans le sens de ceux qui ont écrit les textes que vous avez étudiés, les textes de philosophie, les textes d'histoire, les textes de géographie. Si l'histoire nous dit que le Congo est né en telle année, et que dans le fond, dans la réalité, ce n'est pas vrai, qu'est-ce qu'on dira? Eh bien, nous aussi, on continuera à croire que l'histoire, le Congo est né en cette année-là. Nous avons été colonisés par les Français. Mais l'histoire s'accorde à dire qu'au départ, ce n'étaient pas les Français qui étaient ici, c'était les Portugais. Et eux, quand ils sont arrivés, ils ont vu le drapeau portugais, ils l'ont déraciné et ont planté leur drapeau. J'aurais beaucoup voulu que nous soyons colonisés par les Portugais, ce serait mieux. Je ne suis pas contre les Français, soyons sérieux. Moi, je parle des choses intellectuelles. Je parle de l'histoire. Sérieux, je vous dis sérieusement, si vous prenez l'Angola, comparer l'Angola au Congo. Il n'y a pas de comparaison. Mais l'Angola a été colonisée par justement les Portugais. Maintenant, regardez, allez voir Luanda. Comparez Luanda à nos villes. Prenez seulement les pays, tous les pays qui parlent anglais, ici en Afrique. Allez voir ces pays-là, comment c'est construit. Et maintenant, voyez tous les pays qui parlent français. Regardez comment c'est. Bamako, allez voir Bamako. Ou Pointe-Noire. Quelqu'un m'a dit, il y a une émission qui était passée sur une chaîne de radio quelque part, je tais le nom, où on posait la question, une chaîne de radio internationale, hein, quelle était la ville portuaire la plus sale du monde? Réponse, Pointe-Noire. Ça fait rire, mais ça devait rendre triste. Comment nous sommes considérés comme étant la ville la plus sale? Comment? Je vous dis, si vous allez dans un pays africain où l'on parle anglais, un pays anglophone, voyez comment ces pays-là se construisent, vous aurez pitié de vous-même. Parce que notre colonisateur ne nous a pas laissé la liberté. Voilà là où nous en sommes. Donc c'est un formatage. Il y a donc cela. Il y a aussi l'information et le divertissement médiatique. Ça génère un formatage de conscience. Quand je parle d'information, je parle des nouvelles, ce que la radio et la télévision nous donnent comme information. Qu'est-ce qu'on fait? On donne certaines informations, mais pas d'autres. Et ceci, dans le monde entier, on dit aux gens ce qu'ils doivent savoir, mais on ne leur dit pas ce qu'ils devraient savoir. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand on fait ça, on fait quoi? C'est un formatage. C'est un formatage de conscience. Donc ça amène les gens à regarder les choses dans une direction donnée, pendant que ce n'est pas dans cette direction qu'il fallait regarder. Alors moi je dis à la jeunesse, nous ne devons pas accepter cela. Non, je ne parle pas de faire une révolution. Je parle de faire une révolution individuelle en vous-même. Il y a la pression sociale. Mine de rien, qui pouvait savoir que la pression sociale était aussi un abus, mais un abus rituel. Je prends un exemple. La plupart des jeunes filles, autour de 15-16 ans, ont déjà un petit copain. Chez nous, ailleurs, en Occident, c'est même plus bas que ça. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a même une loi qui vient de sortir en Europe où on dit que l'enfant, à partir de 9-10 ans, est autorisé à vivre une vie sexuelle. En Allemagne, actuellement, on a autorisé le mariage entre frères et sœurs, même s'ils sont nés des mêmes pères. Entre mère et fils, ils peuvent se marier. Actuellement. Donc vous voyez, la pression sociale. Alors, quand l'enfant est à l'école, 15-16 ans,
Il voit sa petite amie avec un copain, un petit copain. Et les autres petits, amis avec des petits copains, elle n'en a pas. On lui fait la guerre. Mais toi, comment tu es? Toi, tu n'es pas bon. Toi, tu ne connais rien de la vie. Et on dit parfois, il y a un mot qu'on utilise, tu es Yuma. Je ne sais pas quels sont les termes actuels que vous utilisez. Ou quels utilisent. Alors ça oblige la jeune fille à faire comme ces filles-là. C'est quoi c'est? Mais c'est la pression sociale. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une maman qui est allée voler dans un grand magasin en France pour pouvoir donner des jouets à ses enfants lors d'un Noël. Mais attendez, c'est quoi en fait? Mais c'est la pression sociale. C'est Noël, ça chante partout. Tous les enfants sortent leurs petits jouets. Et voilà vos enfants, vous qui n'en avez pas. Cette pression sociale a poussé cette maman à aller voler pour pouvoir donner quelque chose à ses enfants. C'est une pression sociale et c'est un abus rituel. Il y a les diverses pollutions environnementales et alimentaires. Je dis bien les pollutions alimentaires et environnementales, les diverses pollutions que nous avons. Quel est leur effet? Même Frère Branham en a parlé. Ça altère notre conscience. Je vais dire notre cerveau. Notre cerveau. Et nous empêche alors de pouvoir mieux raisonner. Ça réduit notre capacité de raisonnement et d'analyse. C'est des pollutions. Tenez, aujourd'hui, le sucre est maintenant en train d'être considéré comme une drogue. Mais c'est pas mauvais de prendre du sucre le matin quand on prend son petit déjeuner. Mais pourtant, c'est maintenant en train d'être considéré comme une drogue. Malheureusement pour nos enfants, depuis le bas âge, dès que l'enfant naît, on le soumet au sucre. Le lait maternel qu'on donne au petit bébé n'est pas aussi sucré que le lait que nous achetons en pharmacie. Il y a des laits de pharmacie qui sont hautement sucrés. L'enfant est habitué au biberon. Et le seul goût qu'il va maintenant connaître et apprécier, ça sera le goût sucré. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez altéré le cerveau de cet enfant. Vous l'avez orienté dans une direction mauvaise. Les odeurs, je parle de la pollution. Il arrive maintenant que nous pensions que l'air qui est pollué là avec les odeurs du pétrole, c'est un climat normal. Parce que justement, il n'y a pas ici des mesures qui sont faites pour voir jusqu'à quel point l'atmosphère est polluée, surtout dans cette ville. Personne ne le sait. Et maintenant, après, Frère Branham dit, ça dérange les cellules nerveuses, les cellules du cerveau. Et ça altère justement les analyses que l'on peut faire. Donc, les aliments que nous mangeons sont en train aujourd'hui de nous changer. En fait, par les aliments, nous sommes conditionnés et orientés dans une direction de nous. Aujourd'hui, la plupart des enfants aiment les chips. Je ne sais pas si tout le monde connaît les chips. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est vendu dans les supermarchés, là, en sachets, en boîte et tout le reste. Et c'est comme des feuillets comme ça, comme des petits biscuits, mais sous la forme de feuillets, un peu mal formés et tout le reste. Et les gens aiment prendre ça. Il y en a qui sont très sucrés, il y en a qui sont très salés. Et vous voyez, c'est très très mauvais pour la santé du cœur. Et ça favorise la prise de poids. Aujourd'hui, l'Africain, quand il amenait un peu d'argent, la nourriture, ça devient maintenant ça. Donc, les odeurs, par exemple, qui nous entourent là, nous font penser que là, nous avons la bonne odeur. Au fond, non. Sortez, allez à la campagne. Vous allez vous rendre compte que la nature a encore de belles choses à nous réserver.
Quand je dis ça, je veux dire quoi? Je veux dire qu'en tant que jeunesse, nous devons travailler pour que notre environnement ne soit pas pollué. C'est nous qui devons le faire. Les eaux que vous jetez après avoir fait votre lessive à la maison, les poubelles, vous les mettez où? Ainsi de suite. Mais c'est tout ça qui pollue l'environnement. Vous attendez qui pour venir faire ça? Quand la pluie tombe, ils prennent toutes ces saletés-là, ils l'envoient dans les eaux, dans les rivières et autres. Après, c'est pollué. Donc, il y a d'autres méthodes qu'on pouvait utiliser pour empêcher toutes ces choses-là. Ah oui, les conditions ne sont peut-être pas réunies, mais on peut faire autrement. Comme par exemple, l'utilisation des poubelles que l'on ferme. Vous avez un pot qui est suffisamment grand, mais avec un bouchon fermé. Il y a un couvercle. Vous avez mis vos ordures là-dedans et vous fermez. À côté de cela, il y a l'occultisme. C'est-à-dire les sciences occultes. Alors, les sciences occultes, elles, ici, sont un moyen utilisé pour arriver au contrôle mental. C'est pas l'occultisme qu'on arrive au contrôle mental. J'ai connu un monsieur, c'était à Brazzaville, j'étais le nom du quartier, tout ça. Lorsque sa femme la merdait, il s'est retourné vers sa femme, il disait « Dors !» Quand il dit ça, la femme tombe, pouf, sommeil. Même chose avec les enfants. Mais c'est quoi? C'est de l'occultisme. Il a fait quoi? Un contrôle mental. Cette femme n'avait pas envie de dormir en ce moment-là. On lui a fait faire ce qu'elle ne voulait pas faire à cette heure-là et à ce moment-là. Ce n'était pas sa volonté. C'est un abus. Vous voyez? C'est la même chose lorsque, par exemple, par des moyens occultes, on gagne la confiance d'une jeune fille. Vous connaissez ça, non? Par les moyens des fétiches. Il y a des gens, comment on appelait déjà ça? Il y avait un mot là que les gens utilisaient là. Comment? Voilà, Moussele Bende. Dans notre langue. Le jeune homme va voir un féticheur et lui dit, moi je veux de cette fille-là. Anna Salamoutro Inoua. On fait un fétiche et on donne des consignes à ce jeune homme qui arrive, il les applique et la fille tombe follement amoureuse du jeune homme alors que ce n'était pas sa volonté. C'est quoi? Un abus rituel. Et si vous avez le Saint-Esprit, ça n'agira pas sur vous. Vous voyez, l'occultisme, c'est un moyen qu'on utilise pour arriver au contrôle mental. Alors, je vais terminer. Il y a aussi les tortures, je les cite en bloc, les tortures, les drogues, je les cite en bloc parce que ce bloc-là produit un effet donné, les drogues, la magie, les privations sensorielles, privations sensorielles. Donc, on fait tout pour vous priver de vos sens. L'hypnose, le sommeil artificiel auquel on soumet les gens par la suggestion, on vous parle, on est en train de vous parler de quelque chose, après ça vous fait dormir. Et maintenant, c'est un moyen qu'on utilise pour essayer d'extraire par exemple ce que vous avez en pensée. Et la démonologie, je l'ai dit, il y a les fétiches là-dedans, il y a l'utilisation des esprits, la sorcellerie, et ces choses-là travaillent, toutes ces choses que je viens de citer là, travaillent pour mettre l'individu en état de dissociation et d'esclavage. C'est-à-dire, on utilise ça pour arriver au fractionnement de la personnalité. La personne n'est plus elle-même. Donc, en fait, c'est comme si votre esprit ne contrôle plus votre corps. Vous êtes séparés. C'est maintenant le nouvel esprit là qui a été utilisé, qui contrôle maintenant ce que vous êtes et qui vous amène à poser des actes, en tout cas qui ne viennent pas de votre volonté. Je prends un cas,
Je prends un cas. Tout le monde a déjà entendu parler de la drogue courante que ici en Afrique on connaît, la marijuana. Dans notre langue, on appelle ça diamba. Cette drogue-là, quand quelqu'un prend ça, ça peut l'amener à un état de folie. Quand quelqu'un prend ça, ça peut l'amener à un état de violence. Il devient très violent. Et à la fin, il peut entrer dans les groupes de banditisme et tout le reste. Il amène un comportement bizarre. Il devient sale. Il ne se lave pas. Son hygiène est vraiment laisse à désirer. Et tout le reste. Mais avant qu'il ne prenne cette drogue, il n'était pas comme ça. C'est cette drogue qui l'a amené là. Vous voyez, c'est quoi un abus rituel? Alors, je termine là. Je vais vous donner des passages que vous pourrez regarder. Je termine là. Vous avez donc, vous pourrez regarder dans 1 Roi chapitre 11, le verset 7. 1 Roi 11, verset 7. Vous verrez là-bas qu'il y avait des dieux dans les pays qui entouraient Israël, qu'on appelait par exemple Kemosh et Moloch, qui étaient, dont l'adoration se faisait par immolation des enfants sur l'autel de ces dieux-là. Donc on prenait des enfants, on sacrifiait à ces dieux. Sacrifice vivant d'être humain. Comme ça. C'est de ça que nous parlons. C'est des habits rituels. Ces enfants qu'on sacrifiait n'avaient pas demandé de mourir. Il y a, vous pourrez regarder, Lévitique 20, verset 4 à 5. Lévitique 20, verset 4 à 5. Vous pourrez aussi regarder Jean 14, verset 12. Alors, nous allons regarder Romains 8, verset 36. Quelqu'un va nous prendre ça, Romains 8, verset 36. Et une autre sœur nous prendra 2 Corinthiens 1, verset 12. Et je voudrais aussi qu'on me prenne Tite 1, verset 15. Tite 1, verset 15. Alors, nous commençons par le premier passage. On va juste lire ces passages-là. Et nous terminons par là. Disons au nom du Seigneur, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Amen. Vous voyez comment le monde nous considère? C'est pourquoi il y a ces habits rituels qui concernent des masses entières. Et je vous le dis, comme je l'ai dit, il y a un formatage de masse qui se fait sur les générations entières, et ceci dans le monde entier. On amène les gens à regarder dans une direction donnée alors que leur volonté, si elle devait vraiment être engagée librement, ne regarderait pas dans cette direction-là. C'est comme je vous ai dit, tous vos programmes scolaires et tout le reste, je ne suis pas contre, hein, mais ça fait que vous ayez un esprit formaté qui regarde désormais dans la direction du formatage établi par ces gens qui ont écrit tous les programmes que nous avons étudiés, ce qui n'est pas mal du tout. Mais la jeunesse chrétienne doit savoir que nous devons avoir une certaine démarcation par rapport à cela, même si nous suivons ces programmes-là, mais il faut une certaine démarcation. C'est pourquoi, quelqu'un va me prendre d'abord Tite 1, verset 15, et c'est pourquoi je voulais prendre ça. Prenez d'abord Tite 1, verset 15, d'abord ce passage-là, Tite 1, verset 15. Qui a ce passage-là? Lisons au nom de Jésus. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire en prenant ce passage? Je veux dire que nous n'avons pas besoin d'aller rejeter nos programmes scolaires, mais nous avons besoin d'avoir une certaine distance, c'est-à-dire analyse. Nous faisons nos cours, nous suivons notre programme scolaire, mais je dois savoir que ma personnalité, je ne dois pas la laisser être détériorée par quelque chose qui ne correspond pas à ma foi. Donc si on me pose une question, je répondrai d'après ce que j'ai appris à l'école, mais je ne mettrai pas ça dans mon cœur pour vivre selon cela, parce que ce n'est pas ma foi. Est-ce que vous comprenez? Mais nous n'avons pas dit qu'il faut fuir l'école.
C'est pourquoi j'ai voulu prendre ce passage. Tout est pur pour celui qui est pur. Parce qu'il saura prendre les choses de la bonne façon. Le dernier passage. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Amen. Voilà comment nous devons nous conduire dans le monde. Ne suivons pas ce que font les manipulateurs. Ne soyons pas des manipulateurs à notre tour. Vivons en paix les uns vis-à-vis des autres et veillons à ce qu'il y ait toujours de l'harmonie et de l'amour. N'oubliez pas, ce que vous voulez qu'on vous fasse à vous, faites-le également aux autres. Amen. Question Siliana. Shalom, ma sœur. Ma question est celle-ci. Quel est le remède que peut prendre une sœur qui est sur l'effet de l'hypnose? Il y a de l'hypnose qui se fait en milieu médical. Il y a aussi de l'hypnose qui se fait dans des milieux occultes. Parce qu'en milieu médical, c'est aussi utilisé pour certaines thérapeuties. Maintenant, ça peut aussi se faire dans des milieux occultes. Maintenant, généralement, il faut que l'hypnose cesse pour que justement vous puissiez vous en sortir. C'est-à-dire, l'hypnose se fait comment? Pendant qu'on vous met là, assis ou assise sur une chaise ou un fauteuil, on vous parle des choses qui amènent des suggestions. Et finalement, jusqu'à ce que votre esprit est entraîné et vous tombez dans un sommeil qui est artificiel. Donc, il faut donc que la suggestion s'arrête pour que l'hypnose aussi s'arrête. Maintenant, je vous conseillerais d'éviter ce genre de choses. Parce que, en fait, ce genre de choses-là ouvrent la porte à des démons qui rentrent dans les gens. C'est la même chose, par exemple, lorsque vous priez et il y a des chrétiens et des chrétiennes qui ont pris l'habitude. Quand ils ont fini la prière, ils restent un moment calme en se disant que certainement que Dieu pourra me donner une vision. Ce n'est pas faux. Mais sauf que quand vous faites ça, si vous faites le vide de la pensée, Frère Branham dit, un démon viendra vous parler. Donc il ne faut pas faire le vide de la pensée. Dans la pensée, qu'est-ce que vous pouvez par exemple garder? Mais vous pouvez garder la requête que vous avez soumise à Dieu dans votre prière, vous la gardez dans votre pensée. Ne faites pas le vide. Si vous faites le vide, un démon viendra. Une sœur à l'église, c'est pas qu'elle était peut-être mal habillée, elle était habillée de façon décente, mais arrivée à l'église, par erreur, en face peut-être d'un diacre, une partie importante de son corps se fait voir devant ce diacre-là, par erreur, ou peut-être à cause d'une transe et tout, ne sachant pas, elle se rend compte, et cela frustre la sœur vis-à-vis de ce diacre-là. Et quand elle voit maintenant ce diacre, elle le dribble en fait. Elle n'arrive plus à le saluer comme avant et tout. Qu'est-ce que cette sœur en fait doit faire? Mais vous dites bien par erreur. Donc dans ces conditions-là, il faut seulement demander pardon au diacre sur les champs. Excusez-moi mon diacre, c'est tout. C'est tout. Maintenant si vous commencez à dribbler le diacre, c'est que vous étiez venu avec une intention. Comme l'habit rituel n'a pas marché, vous commencez à dribbler le diacre. Pasteur, que doit faire une sœur qui vit par exemple avec ses oncles et tout, mais qui sont très souvent en culotte à la maison et les qui... oncles sont en culotte. Les oncles ou la sœur? Les oncles. Ah, en fait. Les oncles, oui. Bon, c'est une parcelle, les oncles sont dans leur studio en fait, les filles aussi, leur partie et tout. Oui. Et tout. Oui. Mais l'oncle, s'il veut demander à sa nièce peut-être de faire quelque chose pour lui, quand il appelle, viens s'il te plaît, j'ai besoin de toi, fais-moi ceci ou cela, mais il est en culotte, torse nu et tout. Que doit faire la sœur en fait face à ça? Ah! Si l'oncle t'appelle, mais il est en culotte, il faut aller sur la pointe des pieds. Mais vous ne le saviez pas en fait. Quand vous arrivez, c'est une surprise. Ah, quand tu arrives, c'est une surprise. Mais ne rentre pas. Dès que tu veux, ouvre le rideau et tu trouves l'enculotte, tu ressors. Tu dis, oui, tonton, je suis là. Tu voulais? Lui, il va dire, mais rentre, non. Toi, tu dois dire, non, tonton, je ne peux pas rentrer. Tu n'es pas habillé. Faut dire ça. Comme ça, il aura honte, il comprendra que ce n'est pas une tenue qu'il faut avoir devant les enfants. Après, il va dire, mais rentre seulement.
toi aussi tu dois dire, mais tonton, ma foi ne me permet pas. Amen. Allons vite, allons vite. Quels sont les caractères ou attitudes qu'une personne abusée représente généralement? Pardon, j'ai pas suivi. Les caractères qu'une personne abusée ou attitudes qu'il manifeste souvent. Par exemple, lorsqu'une personne veut se suicider, il y a des signes. Mais par contre, pour une personne qui est abusée, pour essayer Oui. En fait, ça dépend du genre d'abus qu'il a subi. Si c'est un abus sexuel, il y aura donc la honte, je l'ai dit. Il y aura des choses du genre le mépris de son propre corps, parce qu'elle se demande comment cela m'est arrivé à moi, voyez par exemple. Mais si c'est un abus qui est non sexuel, il y aura donc de la tristesse en général. Même dans le premier cas aussi. En fait, les effets sont presque les mêmes. Il y aura aussi de la tristesse et la personne se recroqueville souvent sur soi. La personne a des tendances suicidaires, ça peut amener jusque-là. Et dans le cadre d'un abus sexuel, il y aura aussi le refus, par exemple, du mariage. On ne veut plus voir un être de sexe opposé s'approcher de soi. Donc, on ne veut pas même parler mariage. Et dans le cas de celles qui se retrouvent dans le mariage, elles seront forcément frigides. Frigides, c'est-à-dire qu'elles ne sentiront jamais son homme. Et dans un cas comme celui-là, le mariage la finira par se casser. Vous voyez, donc c'est autant de choses comme ça que cette fille-là va devoir vivre. Elle aura honte, toujours un peu repliée sur elle-même, ainsi de suite. Elle sera triste, abattue. Et généralement, dans ce dernier cas-là, c'est lorsqu'il s'agit, par exemple, de la maltraitance, lorsqu'elle est tentée de subir des sévices non sexuels. Voilà. D'accord. La deuxième. Que doit faire une jeune fille qui aimerait bien se confier à sa maman, mais seulement cette dernière n'a pas vécu une telle chose, vu qu'une mère ne donne à sa fille que ce qu'elle a reçu de sa mère? Bon, par définition, votre mère est plus mature. Votre père aussi est plus mature par définition. Parce qu'on ne peut pas devenir père ou mère si on n'a pas encore une certaine maturité. Le mariage n'appartient pas aux enfants. Le mariage appartient à des personnes matures. Donc, déjà quand je dis mère ou quand je dis père, je crois qu'il y a maturité. Et donc, je peux confier à ma mère, même s'il n'a pas connu ce problème. Elle n'a peut-être pas vécu ce problème elle-même, mais forcément, dans sa croissance, elle a eu à connaître quelqu'un ou quelqu'une qui a connu ces choses-là. Forcément, elle saura quoi vous conseiller. Maintenant, si c'est une maman qui parle beaucoup, vous voulez lui parler des choses que vous avez vécues, et vous savez très bien que quand vous allez lui dire ces choses-là, elles vont se retrouver à l'extérieur, il ne faut pas lui parler. Sinon, vous allez vous tuer davantage. Il ne faut pas lui parler. Cette maman n'a pas de maturité. Il ne faut pas lui parler de cela. Pasteur, tout à l'heure, vous avez dit que une fille qui a été abusée doit se confier à une personne digne de confiance. Dans ce cas-là, une fille abusée se confie à sa mère. Et sa mère en parle à son père, à son mari. Et le mari, en voyant la fille et en découvrant cela, papa commence à détester sa fille. Dans ce cas-là, que doit faire la fille? Bon, déjà, on ne doit pas détester quelqu'un à cause de quelque chose que cette personne a vécu. Si on dit abus, ça signifie que l'individu qui a été abusé n'était pas consentant. N'est-ce pas? Ça veut dire que sa volonté n'était pas engagée. Où est son crime? Donc le père ou la mère qui se met à détester son enfant parce que l'enfant a été abusé, eh bien ce papa-là n'agit pas sagement. Il manque de sagesse. Ça ne devrait pas être comme ça. Au contraire, une personne qui a été abusée a besoin d'amour, d'affection pour se reconstruire. Et les premières personnes qui sont censées lui donner cette affection et cet amour, ce sont donc justement ses parents. Donc que doit faire cette fille-là si elle découvre que son père la déteste maintenant, mais elle doit se confier à quelqu'un qu'elle pense la comprendre ou partager sa douleur. Sa maman, par exemple, continue à se confier à sa maman. Ou alors, comme je l'ai dit, il faut chercher un éducateur, il faut chercher un pasteur, il faut chercher quelqu'un qui est à même de pouvoir vous aider à vous reconstruire et vous partager cette chose avec cette personne, il vous aidera à vous reconstruire. Mais, vous êtes des chrétiennes.
même si votre père vous déteste dans ce cas-là, ne le haïssez pas. Priez Dieu afin que Dieu touche votre père pour qu'il comprenne que vous n'êtes pas coupable de cette chose-là, mais vous êtes plutôt victime de cette chose, de cet abus. Le coupable, ce n'est pas vous. La coupable, ce n'est pas vous. Vous êtes la victime. Priez Dieu pour qu'il amène votre papa à comprendre cela. Vous pouvez aussi parler à votre mère, à qui vous vous êtes confié au départ, pour qu'elle parle à son mari, afin qu'elle convainc son mari que vous n'êtes pas coupable, mais vous êtes victime. C'est tout. Que doit faire une personne traumatisée qui essaie de s'en sortir elle-même de son traumatisme sans succès? Il faut qu'elle trouve une personne de confiance à qui elle va parler. Et je suggère que vous trouviez un pasteur. Et la seconde, parce qu'il y a un problème. Et merci que votre question m'amène à sortir ça. Vous pouvez avoir un traumatisme et vous vous confiez à quelqu'un. Mais cette personne profite de votre traumatisme pour vous ajouter un autre traumatisme. Je connais une femme qui avait un problème, vraiment un problème qui la rendait triste. Et elle est sortie pour essayer de prendre un peu de l'air. Et en chemin, elle a croisé quelqu'un qu'elle connaissait dans le passé. Cette personne a tout de suite remarqué qu'elle était triste parce que ça se lit sur le visage. Et donc l'a abordée, a commencé à la remonter. Voilà la femme qui trouve quelqu'un qui la comprend alors qu'à la maison, elle n'est pas comprise. Et ça s'est terminé au lit. Vous voyez, c'est ça qui n'est pas bien. C'est pourquoi je suggère de trouver quelqu'un de confiance. Ce n'est pas une blague, c'est du sérieux. À défaut, si vous ne trouvez pas, je vous conseille de vous mettre à prier. Mais si vous priez, il faut dire à Dieu ce que vous sentez. Donc en ce moment-là, Dieu devient le confident à qui vous parlez. Vous faites quoi? Vous lui dites: Seigneur, j'ai subi ceci, j'ai subi cela. Donc vous décrivez maintenant la scène à Dieu et vous lui dites ce que ça représente pour vous et qu'est-ce que vous sentez. Et vous allez voir que vous serez de plus en plus consolé chaque fois que vous prierez. Et chaque fois également que vous vous sentirez triste, allez-y, priez. Dieu sera votre confident. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait promis. Il avait promis le Saint-Esprit en disant qu'il sera notre consolateur. Et la seconde est celle-ci. Combien de temps pensez-vous qu'une personne traumatisée peut-elle prendre pour guérir? Ah là, il n'y a pas de délai. Ça peut prendre toute une vie. Et il peut même arriver que jusqu'à votre mort, vous n'en guérissiez pas. Et que vous alliez dans la tombe triste. Dans ces conditions-là, vous risquerez de mourir les yeux ouverts et la bouche ouverte. Ce qui revient à dire... Si vous ne voulez pas aller comme ça dans la tombe, je vous conseille de pouvoir vite trouver quelqu'un qui vous aide à vous en sortir. Et cette question me permet aussi de mentionner quelque chose que je n'ai pas mentionné. Vous voyez, lorsque quelqu'un a subi un traumatisme et au lieu de trouver les voies de sortie, mais traîne son problème avec soi, ça va amener des maladies. Les maladies d'estomac, des gastrites, ça va amener des maux de cœur, ça va amener l'hypo ou l'hypertension artérielle. Et je vous dis que si, jeune que vous êtes, vous attrapez l'hypo ou l'hypertension artérielle, c'est fini, hein? Il n'y a pas de traitement. On vous donne des calmants. Si c'est l'hypo, c'est pour relever la tension. Si c'est l'hyper, c'est pour rabaisser la tension. Et c'est jusqu'à votre mort, si Dieu n'intervient pas. Et le jour que vous allez faire une crise sévère d'hypotension, vous mourrez. Une crise sévère d'hypertension, vous avez 40 de tension, vous partez. Ou alors, vous attrapez une paralysie d'un côté ou de tout le corps. Voilà pourquoi ce n'est pas bien d'être là en train de porter des fardeaux. Vous êtes encore jeune comme ça, mais le visage devient comme le visage d'une vieille personne. Parce que vous portez trop de fardeaux. Et vous avez même oublié que vous avez un Dieu qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ qui avait dit: déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Il y en a qui pensent que quand elles sont tristes, donc elles sont consolées. Non. Vous êtes en train de vous tuer. Et physiquement et spirituellement. Physiquement, ce sont les maladies dont j'ai parlé. Il y en a d'autres encore qui peuvent arriver. Et spirituellement,
les soucis et les amertumes, là, ça détruit la foi. Vous n'avancez plus spirituellement. Donc, il ne faut pas vivre comme ça. Moi, j'ai toujours dit, dans ce monde, on ne peut pas avoir l'amour de tout le monde. Mais si je ne peux pas avoir l'amour de tout le monde, il est censé le moins que je puisse avoir l'amour d'une ou de deux, trois personnes. Et il y a quelqu'un dont vous avez et vous aurez toujours l'amour, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, attention aux maladies. Attention aux maladies. Comment faire pour aider une jeune fille, une petite fille, qui a été victime d'un abus dans sa tendre enfance, ok. Elle était très jeune, elle est inconsciente un peu. Ça, c'est des questions tabous, hein. Des jeunes filles de 5 ans abusées par des papas, par des lycéens. Mais la petite fille n'a que 5 ans, 7 ans, 12 ans, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes sa grande sœur, si vous êtes sa maman, il faut en parler avec elle. Mais quand vous en parlez avec elle, vous faites exactement ce que j'ai dit. Il faut l'amener à parler elle-même pour que vous puissiez la reconstruire. Et vous l'amener dans un sentiment de confiance où elle va trouver que vous êtes vraiment une personne sur qui elle peut s'appuyer. Elle va tout vous dire de ce qu'elle avait senti comme douleur, de ce qu'elle sent toujours comme douleur, même dans son tête, dans sa tête ou dans son esprit. Parce que ça revient comme un film de temps en temps. Et c'est ça justement qui crée le traumatisme. Donc c'est la même méthode, il faut en parler avec elle. Excusez pasteur, il s'agit d'un enfant qui a été abusé quand elle avait 9 mois. Donc nous ne savons, elle ne connaît pas, elle n'est pas consciente. Ça vous étonne? Frère Branham parle de ça. Frère Branham dit que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit peut arracher un bébé des mains de sa mère pour violer ce bébé-là. Frère Branham parle de ça. Je vous ai dit que le monde est devenu cruel. C'est l'une des causes et des raisons de cette situation. Et c'est pourquoi d'ailleurs, pendant qu'on en parle, vous les jeunes filles, vous ne devez pas vous habiller n'importe comment. D'abord, vous ne devez pas vous dévêtir. Votre tenue doit être évitée, toute tenue transparente. Votre tenue doit être décente. Évitez toute tenue transparente qui laisse voir vos sous-vêtements. Et peu importe, parce que vous les chrétiens, vous mettez les jupes et les robes, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu vous permet de mettre des culottes en dessous. Vous comprenez? Quand tu as mis une culotte jean sous ta jupe, même si le violeur vient, pendant que vous allez vous battre là, pour déchirer ça, ce sera un problème. La parole de Dieu vous permet. Mais si vous mettez une culotte en jean et vous prenez la jupe, vous laissez à la maison, pour sortir comme ça, c'est là où la parole va vous condamner. Mais quand vous mettez cela sous votre jupe ou sous votre robe, c'est correct. Et moi, je vous conseille de faire ça. Ça vous permettra d'être en sécurité. Parce que les jupes et les robes, là, ce n'est pas toujours la sécurité. Alors, pour le bébé, là, ce bébé ne connaît pas, n'a pas conscience de ce qui s'est passé. Donc, le mieux serait même de ne pas amener cela à sa conscience. Laissez l'enfant tranquille. Sa conscience est encore vierge, laissez l'enfant tranquille. C'est vrai que quand, à un moment donné, elle sera un peu plus grande, elle va sembler constater que je n'ai pas encore connu d'homme, mais j'ai déjà perdu ma virginité. C'est comment? Elle sera dans le flou, elle ne comprendra pas. Parce qu'une fille peut perdre sa virginité par plusieurs méthodes. Il n'y a pas que lorsqu'il y a relation avec un homme. Plusieurs choses peuvent faire qu'une fille perde sa virginité. Déjà, les habits qu'on porte, par exemple les jupes, les culottes dont je parle, en jean, quand c'est très serré, vous voyez, ça peut amener un problème. Le frottement, oui. Si vous montez sur une bicyclette, il y a des filles qui ont fait du vélo. Ça peut amener un problème. Et il y a des filles qui ont fait la gymnastique. Hein? Les sauts périlleux, les histoires qu'on fait, on balance les jambes dans tous les sens. Ça peut amener un problème. Vous comprenez ce que je veux dire là? Votre bain intime, quand vous vous lavez, ça peut aussi amener un problème. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent amener des problèmes. Tout comme aussi, on peut arriver à trouver une fille qui a déjà eu un contact avec un homme, mais qui est restée vierge. Ah oui. Je vous parle sérieusement. Vous risquerez de me sortir de mon cours. Une autre question.
Attends, c'est ici donc. Est-ce qu'il est conseillé à des parents d'une jeune mineure ayant une grossesse issue d'un viol de lui marier à l'auteur de la grossesse afin qu'il puisse prendre en charge la fille et l'enfant? Est-ce que c'est conseillé à qui? Aux parents ou bien à la jeune fille? Est-ce que c'est conseillé qu'un parent décide de donner en mariage sa fille mineure, mineure qui a subi un viol? Non. Vraiment, je déconseille cela vivement et même fortement et même brutalement. Je déconseille cela. Ne le faites pas. La fille est encore mineure. Prenez les décisions qui s'imposent, mais sécurisez votre fille. Le but d'un parent doit toujours être de sécuriser sa fille. Sécuriser sa fille. Peu importe la direction dans laquelle vous allez partir, il faut toujours sécuriser. Et puis, quand vous envoyez une mineure dans un mariage, c'est pour qu'elle aille faire quoi? Quand vous envoyez une mineure dans un mariage, elle fera quoi? Elle ne connaît rien de la vie. Vous allez gaspiller votre fille. On ne fait pas ça. Que faut-il faire pour amener un enfant à ne plus voler? À ne plus voler. Bon, déjà, les parents, quand ils sont en face d'un enfant qui vole, généralement, ils punissent en tapant, en privant de nourriture et des choses comme ça. Mais vous allez constater que ça ne donne jamais de résultats. L'enfant devient encore plus voleur qu'auparavant. Et dans les matins qui suivent, il devient un voleur de grand chemin. Donc la meilleure chose à faire, c'est de parler avec cet enfant-là pour découvrir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que souvent, c'est une carence affective qui amène ce genre de problème. Un manque d'amour au départ sur cet enfant-là finit par amener de tels problèmes. Un manque d'attention sur cet enfant-là finit par amener de tels problèmes. Mais n'importe quel enfant dans sa vie a déjà volé, même une fois. Sauf vous. Vous avez déjà volé. Vous voliez les morceaux de sucre quand vous grandissez. Mais vous n'êtes pas devenues des voleuses. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même de l'amour et de l'attention exercée par les parents sur vous. Voilà, c'est un peu cela. Oui, ma soeur. Si vous avez affaire à un frère qui a couché avec ses soeurs, qui veut en finir avec toutes les soeurs. Bon, si vous avez affaire à un frère qui se comporte comme un véritable voyou, là c'est même un délinquant, hein? Il faut déjà commencer par le dénoncer auprès de papa. Il faut le dénoncer auprès de papa, afin que papa use de son autorité pour arrêter le massacre. Mais je peux déjà crier là-bas. Shalom, pasteur. C'est un massacre dans la maison. Oui, ma soeur. Maintenant, si papa n'est pas là, on doit utiliser la personne adulte qui est là. En fait, il faut parler à quelqu'un qui a autorité sur ce frère-là. Si vous parlez à quelqu'un qui n'a pas d'autorité sur ce frère-là, il n'y aura rien. Par exemple, si le papa lui-même n'a pas d'autorité sur cet enfant-là, il n'y aura rien. Je prends un cas. L'enfant-là avait déjà surpris papa dans un coin. Mais maman était à la maison pendant que papa était au coin. Donc, et papa et l'enfant, ils se connaissent. Quand papa veut parler, l'enfant dit, papa. Tu vois, il n'aura pas d'autorité sur cet enfant. Donc, il faut utiliser quelqu'un qui a de l'autorité sur l'enfant. Dans ces conditions-là, on peut parler à un oncle ou à un grand frère, quelqu'un qui est plus âgé que lui, pour arrêter ça. Mais autre chose, vous-même les sœurs, prenez des précautions. Votre chambre doit être fermée à clé et en dormant, vous devez mettre la culotte dont j'ai parlé là. Sinon, le matin au réveil, vous allez entendre Naboma qui est antilope. C'est où? Une fille abusée qui tombe enceinte et... Comment je peux dire? Dis-le même à Kikongo, même à Kikongo. Dans n'importe quelle langue, oui. Qui avorte, est-ce un péché devant Dieu? C'est un péché. Ça reste un péché.
C'est le moins que je puisse dire. Parce que, de façon générale, c'est le moins que je puisse dire. Maintenant, de façon particulière, il y a des responsabilités qui devront être prises, mais ce n'est pas la fille seule qui devra prendre ses responsabilités. Les deux familles impliquées dans cette affaire seront là. Le papa de la jeune fille aussi aura son mot à dire, ainsi de suite. C'est une situation très difficile, pour moi très difficile. Si vous prenez les précautions dont je parle, ça va vous éviter des problèmes. On a donné le micro à la sœur. Ok, vas-y ma sœur. Shalom pasteur. Oui ma sœur. J'ai une inquiétude concernant l'abus sexuel. Il faut bien mettre le micro devant la bouche. Concernant l'abus sexuel. Oui. Je sais qu'il y a des mineurs ici. Être épouse. Donc je ça. Le micro devant la bouche pour que j'entende. Doucement. J'aimerais savoir dans quel passé politique l'appui. Par la bouche, les chrétiens aujourd'hui l'ont fait dans le foyer parce qu'on dit l'homme est au-dessus de la femme. Parfois, ils ont des lois à donner dans la maison et la femme n'a rien à dire. Elle est obligée d'accepter cela. Donc, cela aussi cause un traumatisme oui. au niveau de la femme. Oui. Donc, j'aimerais savoir le passage biblique qui appuie cela. Il n'y a pas de passage biblique qui appuie ça. Est-ce que cela est un péché? C'est un péché. Au contraire, la Bible condamne la sodomie. Et tout à l'heure, j'en ai parlé. On en a parlé aussi dans d'autres séances. C'est condamné. Donc, on ne doit pas faire ça. Frère Bonhomme dit, il parle aux jeunes gens et il parle aux hommes mariés. Et je vous le dis aussi parce que vous êtes censé connaître tout ce que le prophète a dit. Frère Bonhomme dit aux gens qui sont mariés, votre femme, celle que vous appelez votre femme, avant qu'elle ne soit votre femme, elle est d'abord une fille de Dieu. Donc, en fait, elle doit être respectée. La femme ne doit jamais être considérée comme un objet sexuel. Et vous ne devriez jamais accepter d'être considérée comme un objet sexuel. Vous avez de la valeur. Vous êtes une personne humaine à part entière. Que peut faire une jeune fille dont sa maman se change à tout moment envers, devant lui? Ah là 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 là, on ne doit pas faire ça. La maman n'a pas à montrer son corps à ses enfants. Ce n'est pas bien. Mais notez, hier dans les villages, quand une maman voulait maudire son enfant, il faisait quoi? Elle faisait quoi? Elle faisait quoi? Maintenant qu'aujourd'hui elle fait ça, au nom de quoi? Au nom de la civilisation. Parce qu'elle a vu dans les films, hein, des gens quelque part là, toujours au bord de la piscine, tous nus. Papa nu, maman nu, le frère nu, la soeur nu, tout le monde rentre dans la piscine. Ne faites pas ça. Donc, vous la fille, quand vous voyez que votre maman commence à se déshabiller, fouillez. Quittez-la. Et surtout si c'est votre père, fouillez. Vous venez à peine de dire que les abuseurs finissent toujours par payer. Maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce que c'est à la victime de prier pour qu'il paye? Est-ce que c'est bien de prier pour qu'il paye? Oui. Qu'est-ce que vous direz à la sœur? Quand tu es en colère, tu... Non, il ne faut pas prier pour qu'il paye. La Bible dit ceci. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pas à toi, c'est à Dieu. Donc Dieu lui-même, en son temps, punira cet abuseur-là. Toi, laisse les choses entre les mains de Dieu. Il y a des groupes dont vous avez parlé, c'est sur... Un peu plus fort, est-ce que tout le monde entend? Un peu plus fort, ma soeur. Des coups et blessures et violences diverses, les sévices physiques, les coups contondants, coupures et plaies par armes blanches, par exemple la ceinture, couteau, n'importe quelle chose, les brûlures physiques ou chimiques, les fractures. Si un enfant, il est encore tout jeune, il a au moins 8 ans, son père ne fait que faire ce genre de choses-là, pendant qu'il est tout petit. Mais en grandissant, il développe en lui l'esprit de haine envers son père et il développe aussi le fait de haïr aussi son père. Même les autres, il sera violent cet enfant-là. Oui. Il le fait, en fait, il est en train de faire, je peux dire,
là où il a vengeance. La vengeance, oui, il veut en se venger. Que quand je grandirai, je ne pourrai plus jamais pardonner mon père ou je ne pourrai plus jamais l'aimer. Et en grandissant, une fois qu'il est adulte, son père vient auprès de lui et demande pardon à son fils de tout ce qu'il avait fait. Oui. Mais est-ce que le fils au retour doit pardonner papa et reprendre à l'aimer malgré qu'il a encore ce drame? Il doit pardonner. Il doit pardonner. Pardonner. C'est ça la vie chrétienne. Le pardon est une force. Mais le pardon n'est pas donné à n'importe qui. C'est pas n'importe qui peut pardonner. Hein. Il n'y a que le fils ou la fille de Dieu qui sera capable de pardonner. Les autres vont faire ça. Mais pas la fille de Dieu. C'était ça comme question, non? C'est tout, non? Merci, ma soeur. Shalom, pasteur. Dans un de vos podcasts, vous avez dit que la femme était faite pour le sexe. J'aimerais savoir, dans ce cas, si vous avez un mari... Déjà, c'est pas moi, c'est Frère Branham. Si vous avez un mari qui abuse toujours de sa femme en lui disant que tu es fait pour le sexe à chaque fois, que doit faire la sœur? Écoutez, quand Frère Branham est en train de dire dans Mariage et Divorce que la femme était faite pour le sexe, il n'a pas dit que la femme est faite pour être un objet sexuel. Il n'a pas dit ça. Il était en train de montrer le fait que la femme était faite pour pouvoir procréer. Et aussi le fait que la femme, non seulement qu'elle procrée, mais le sexe chez l'être humain, c'est aussi pour le plaisir. Alors que chez les animaux, le sexe n'est pas pour le plaisir, sauf on a trouvé aujourd'hui juste une seule espèce. Du quoi, c'est des singes, hein? On les appelle déjà comment là? J'ai oublié leur nom. Qui, chez eux également, non pas seulement qu'ils se reproduisent, mais ils peuvent aussi avoir des moments comme ça pour le plaisir. Les bonobos. Voilà, c'est ça leur nom. C'est la seule espèce animale. Sinon, chez tous les animaux, ils n'ont des moments comme ça que lorsqu'il faut procréer. Mais pas pour le plaisir. Alors, William Branham, en montrant que la femme était faite pour le sexe, il montrait que la femme était faite justement donc pour ce côté plaisir-là. Mais il n'a jamais dit que la femme doit être utilisée comme un objet sexuel. Jamais. Et ce côté que Frère Branham soulignait, c'était pour montrer que ce plaisir-là devait finir par amener la chute, le péché. Et c'est ce qui s'est fait. Voilà ce que le prophète montrait. Mais il n'a jamais dit qu'on doit traiter sa femme comme un objet sexuel. Ou avant de donner à manger à la femme, il faut d'abord passer. Avant ceci, il faut cela. Non. Ça, ce n'est pas un mariage. Un mariage comme ça, vous avez le droit d'en sortir. Parce que cet homme-là n'a rien d'humain. Mais soyons sérieux, disons la vérité. Un humain normal ne se comporte pas comme ça. Votre femme est d'abord un être humain à part entière. Elle ne doit jamais, je dis, jamais être considérée comme un objet sexuel. Et vous, jeune fille, n'acceptez pas qu'un homme vous prenne comme un objet sexuel. Vous avez de la valeur. Maintenant, une fille également qui elle-même se met nue dans les rues, en habit transparent, en jupe plutôt, jupe déchirée, la déchirure là, ça vient jusque là. Maintenant, où est votre honneur en ce moment-là? Et si vous-même, dans ces cas-là, vous êtes nu comme ça, on vous prend comme un objet sexuel, on fait, la faute sera à qui? C'est vous-même qui vous êtes présenté dans cette tenue. Shalom, pasteur. Oui, ma soeur. Ma question est celle-ci. L'insatisfaction sexuelle dans les maisons ou bien dans les couples. C'est un problème très puneux et ça entraîne aussi des abus. Ça entraîne aussi des abus. Oui. Des abus dont on parle. Oui. Ben, vous, en tant que pasteur, quelles dispositions vous avez déjà pris ou bien comptez-vous prendre pour enfin remédier à cette question? Parce que tant que ce problème va demeurer, il y aura toujours ces abus et tout ce dont on parle. Bon. Là, je crois qu'on m'a eu, hein? La foi d'Idas doit être content. Parce qu'il est en train de m'attaquer depuis un certain temps pour me dire, pasteur, ce que tu es en train de faire avec les jeunes, il faut se le faire avec les mariés. Moi, je suis en train d'esquiver. Depuis qu'il avait commencé. Donc là, quand j'entends la question, là, on m'a eu. Je dois dire que
ce qui se passe dans les maisons, le pasteur généralement n'est pas là. Donc la première chose que les pasteurs essaient de faire, c'est justement en donnant les conseils au travers des prédications. Mais ça ne suffit pas. Les gens doivent apprendre. Généralement, lorsqu'un couple, qu'est-ce que moi je faisais au début, hein, au début, le soleil couchant tabernacle, quand un couple se marie, je crois, une ou deux semaines avant le mariage, ou bien, c'est selon leur propre volonté, après le mariage, une semaine après ou deux semaines après le mariage, moi je les recevais, je les faisais asseoir, et on était à trois, et je leur expliquais la sexualité en détail. Ce que je n'ai pas fait avec vous, parce qu'il y a des gens de toutes sortes d'âges ici. En détail. Et quand je fais ça, je voyais les soeurs cacher le visage. Je disais à la soeur, hé, il n'y a plus de tabou, enlève les mains au visage, tu dois me regarder. Et j'expliquais. Et je leur montrais également, par exemple, quand la femme était vierge au début, qu'est-ce qu'il fallait faire. Parce que quand la femme est vierge, on ne fait pas n'importe quoi. Sinon, vous allez déranger cette femme-là et ça sera à vie. Donc, il y a plein de choses que je leur montrais, plein de choses. Je ne peux pas en parler ici parce qu'on a des gens de toutes sortes d'âges. Mais je sais ce que c'est. Et donc, justement, j'en profitais pour leur parler de toutes ces questions-là dont parle la sœur. Maintenant, il était arrivé un moment où je ne le faisais plus de façon systématique. Ce qui fait que les jeunes mariés là, ceux qui se marient maintenant là, je ne l'ai pas fait avec eux. Pourquoi? Parce que j'attendais qu'eux-mêmes, ils me le demandent. Parce que je me disais, bon, peut-être qu'il y en a qui vont se sentir un peu gênés. Parce que quand je parle de ça, quand je suis avec eux, je suis ouvert. Vous voyez comment je parle, non? Avec les termes scientifiques, j'explique la biologie, tout, je rentre. Je détaille la vision. Ma deuxième question. La parole, donc on verra bien. La deuxième question. La parole nous demande, à nous les femmes, d'être soumise. Dans le cas où vous avez un mari qui a un désir sexuel un peu poussé, il est comme un lapin en fait. Voilà. Et des désirs hors normes, comprenez le terme. On fait quoi? Faut être soumise ou bien insoumise? La raison pour laquelle je gratte la tête et je prends un peu de temps parce que ça me rappelle des films. Il y a un frère, de toute façon vous ne connaissez pas, ça s'est passé dans un village, qui venait tout le temps voir le pasteur pour lui dire « Ma femme est insoumise, ma femme est insoumise. » Quand le pasteur voyait la sœur à l'église, une très bonne sœur. Il n'arrivait pas à comprendre en quoi la sœur était insoumise. Ah. Le pasteur a cherché, on ne trouve pas. Il les prend tous les deux, il les fait asseoir, il parle, on ne trouve pas. Il dit, bon, cette fois-ci, je vais essayer d'aller un peu chez eux, mais très tôt le matin. Vers les 5 heures du matin, le pasteur est allé en embuscade chez eux. Mais il n'entre pas, il ne frappe pas la porte. Il s'est seulement mis là. Il voulait voir ou entendre s'il y avait quoi qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Soudain, 5 heures du matin, la porte s'ouvre brusquement. Pouf! Et la sœur sort en courant. La sœur se demande quoi? Elle avait un démon ou quoi? Le pasteur reste caché là. Dans le message, ça c'est le message. Le pasteur reste toujours caché, il ne se montre pas. Après, il voit le frère qui sort avec une serviette qu'il a attachée à la taille ici. Torse nu. Il dit, toi, reviens ici. Toi, reviens ici. Le pasteur dit, ah. Donc, c'est pour ça qu'il disait que la sœur était insoumise. Après, le pasteur apparaît. Frère Shalom. Dès qu'il voit le pasteur, il baisse la tête, il rentre. Et finalement, le problème était résolu. Parce que le pasteur avait mis la main sur la plaie. En d'autres termes, si vous avez un cas comme celui-là, ma soeur, allez voir votre pasteur. Vous ne pourrez jamais régler un tel problème toute seule. Sauf si
vous prenez patience et que vous priez Dieu afin qu'il puisse changer votre mari. Il y a des gens qui ont ça dans le sang. Ils sont comme ça. Tout comme il y a aussi des gens qui aiment vraiment manger. Je parle de manger la nourriture là. Vous épousez quelqu'un qui est un gros mangeur, ma soeur, il faut te servir avant. Shalom, pasteur. Oui, ma soeur. Il doit faire une soeur, une adolescente, qui a été abusée de son père, jusqu'à ce que son père considère cette soeur comme sa femme. La soeur est tombée enceinte. Et qu'est-ce qu'elle va faire pour son sortir? Elle a été abusée par son père, oui. Jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. La démarche restera la même. Il faut qu'elle trouve quelqu'un avec qui elle va parler de son traumatisme et cette personne va l'aider à reprendre de confiance en elle-même, à reprendre de l'estime de soi, à retrouver l'estime de soi. Et en elle, elle a maintenant le dégoût de son père. Comment elle doit faire pour continuer à aimer son père? Pour continuer à aimer son père, il faut aller dire à Dieu en prière que vous haïssez votre père. Et il y a une chose que vous n'avez pas dite, c'est que dans des cas comme celui-là, l'enfant-là ne sera pas vraiment aimé. Parce que chaque fois que vous voyez cet enfant, il vous rappelle le traumatisme. Or, cet enfant n'est pas coupable de cet acte. Quand cela se faisait, cet enfant n'était pas là. Donc la chose à faire, c'est de ne pas punir l'enfant. Aimez cet enfant comme un être humain normal, qui ne demande qu'à vivre. Ne le punissez pas. Et priez Dieu en expliquant à Dieu ce que vous sentez sur le cœur par rapport à ce que vous avez vécu comme traumatisme et par rapport au fait que maintenant vous avez du mal à aimer votre père. Expliquez tout ça à Dieu, que vous avez du mal à aimer. Vous verrez que ces choses vont vous quitter et vous allez vaincre cela. C'est donc par la prière. Allez-y, qui pose la question maintenant? J'ai une question. La question est la suivante. Comment résoudre la question d'abus sexuel lorsque celle-ci est exercée par un père vis-à-vis de sa fille? Par un père ici, vis-à-vis de sa fille? Oui, bien pas sûr. Ici, là, pour être un peu plus précise, je voulais dire ceci. Ici, le père n'arrive pas à l'acte, mais il emploie l'une des contraintes que nous avons vues, oui, ici. Oui. Et on peut prendre les accouchements, voilà. Oui, le cas de la contrainte visuelle, par exemple. C'est un papa qui a l'habitude d'employer l'une de ces contraintes devant sa fille ou ses enfants. Arrêter ça? Déjà, la fille, pour arrêter ça, doit parler à son père pour lui dire: papa, ce que tu fais là ne me plaît pas. Moi, je suis ta fille. Elle doit parler à son père et raisonner son père. Et ensuite, il faut qu'elle puisse trouver vite quelqu'un qui va la protéger. Par exemple, sa mère ou un oncle. Si elle ne veut pas dire la chose, parce que souvent on ne veut pas dire pour ne pas diviser la famille. Voilà. Si on ne veut pas dire, mais elle doit trouver un moyen de quitter cette maison pour aller vivre ailleurs. Parce que tant qu'elle vivra là, ce qui a commencé va s'achever. Je vais vous expliquer quelque chose. En général, dans un cas comme celui-là, le papa là, qui a échoué à la première tentative, n'accepte jamais cet échec. Il va essayer, il forcera jusqu'à ce qu'il aboutisse à son but. Il atteigne son but. Et quand il aura atteint son but, il va se calmer. Mais ces choses agissent comme une drogue. Il se calme un moment, après maintenant ça va devenir une habitude. Et ça sera chaque fois comme ça. Et vous serez abusé tout le temps. Donc il faut quitter cette maison, aller vivre ailleurs. Dire même à votre mère, sans avoir besoin de tout expliquer si vous voulez préserver l'harmonie, mais demandez à ce qu'on vous transfère ailleurs, chez un oncle, chez une tante, où vous serez en toute sécurité. Même chez votre frère, si vous avez un frère qui travaille déjà et qui peut vous prendre en charge. Voilà un peu ce qu'il faudra faire. Maintenant, dans le cas où vous n'avez personne chez qui aller habiter, il faut parler à votre père en lui montrant que vous êtes vraiment opposé à cette façon de faire. Il va certainement commencer à vous punir, à vous brimer, il ne vous donne plus l'argent, il ne vous donne plus rien du tout et tout ça. Mais vous gardez votre position. Mais vous devez aussi veiller à ce que quand vous dormez, même en pleine journée, vous ayez toujours cette culotte dont je parle là. C'est une sécurité. Je reviens là-dessus en insistant, je ne blague pas, c'est une sécurité. Parce que le jour que maman n'est pas là, elle est allée à une veillée, à un enterrement, c'est toi qui restes faire la cuisine, il peut rentrer à la cuisine. Vous comprenez?
Donc, ce n'est pas seulement quand vous dormez, même en pleine journée, soyez sécurisés. Shalom, pasteur. Oui, ma soeur. Je voulais savoir quelle est la punition efficace qu'un parent peut donner à un enfant têtu, surtout s'il est adulte. C'est l'amour. Frère Banam punissait ses enfants comme ceci. Quand un enfant avait fait n'importe quoi et que cet enfant méritait la punition et devait être puni, alors il lui disait, bon, il y a deux choses. Il y a la Bible, il y a la chicotte. Tu choisis. De ces deux-là, j'utilise quoi pour te punir? L'enfant disait, la Bible. Alors, Frère Madame disait, bon, tu te mets là, assieds-toi là, prends la Bible. Tu me lis toute la Bible de la première page à la dernière. Et à haute voix, je dois entendre l'enfant commencer. Au commencement, Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant d'arriver vers les Lévitiques, là, l'enfant commence, il dort. Maintenant, la prochaine fois, quand on leur disait, vous voulez te taper par quoi? Ils disaient, la chicotte. Parce que la chicotte, ça va faire mal. Mais pour le mal passe. Mais moi, je vous dis, aimez cet enfant. Un enfant qui est têtu, l'erreur que nous commettons, c'est que nous disons, toi tu es têtu, tu es mauvais, tu es ceci. Nous incriminons, nous accusons et nous condamnons. Nous n'aidons pas. Aimez-le, il y a quelque chose qui l'a amené à être ce qu'il est là. Le fait qu'il soit têtu, en termes clairs, c'est une révolte. C'est une révolte. Mais on se révolte toujours contre quelque chose. Donc il y a eu quelque chose qu'il n'a pas apprécié et qui l'a amené là. Et il n'a pas été récupéré à temps. Ça a persisté et il s'est endurci. Voilà pourquoi j'ai dit l'amour. Parce que dans ce cas-là, il faut maintenant l'aimer, lui montrer cet amour clairement et ensuite le prendre au sentiment. Par exemple, je le prends, je le mets dans ma voiture. Allons-y, tu m'accompagnes, j'ai besoin de faire une course. Mais c'est toi qui dois m'accompagner. Papa, moi? Oui, toi, oui. Et vous allez quelque part, vous achetez des choses, tu achètes aussi pour lui, tu veux prendre pour toi, tu lui demandes conseil. Regarde un peu les deux là, je peux prendre quoi? Qu'est-ce que tu apprécies? Donc, il va se sentir considéré. Après, vous prenez cet enfant, vous allez tous les deux dans un restaurant. C'est ton pote, quoi. Vous devenez amis. Vous commandez, toi, qu'est-ce que tu veux manger? Vous mangez. Après, vous riez tous les deux. Cet enfant-là va t'écouter. Cet enfant-là va se discipliner. Parce qu'il va comprendre qu'il a affaire à un père qui l'aime. Il va comprendre qu'il avait fait erreur parce qu'il pensait qu'on ne l'aimait pas. Retenez-le. Parce que ben maman, ben zo truc boula. Vous aimez trop taper les enfants. Vous vous asseyez même sur l'enfant. Tout votre poids là sur l'enfant. Il va te tuer. Il va te tuer. Oh. Mais pourquoi tu l'avais mis au monde? Pourquoi tu veux le tuer? Tu l'avais mis au monde pourquoi? Tue l'enfant, tu seras en prison. Tu iras en prison, tu vas voir là-bas si papa ou maman est toujours là. Oui, une autre question? Là, on a dit qu'il est temps, l'heure c'est l'heure. Donc, vous gardez vos questions. Les questions restantes pour les prochaines séances, ça pourra toujours accompagner. Maintenant, nous allons nous lever. Dieu notre Père, nous rendons grâce pour ce que tu nous as donné ce moment. Moment qui nous a permis d'échanger. Et de partager, Seigneur, ces conseils afin que tes enfants soient avisés et sachent comment marcher dans le monde d'aujourd'hui. Le monde est devenu méchant et nous ne pourrons plus faire machine arrière. Car cette méchanceté fait aussi partie de la prophétie. Cela était annoncé que dans les derniers jours, les gens seraient ainsi. Je prie, Seigneur, que tous les conseils que nous avons donnés puissent aider tes enfants afin qu'elles puissent être une jeunesse avisée, éclairée, solide et debout sur la parole, Seigneur. Je les recommande à toi pour que le Saint-Esprit les accompagne désormais dans les rues de ce monde pour témoigner Jésus-Christ au travers de leur vie. Entre tes mains, je les ai recommandés. Bénis le reste de la jeunesse partout dans le monde et aide chacun et chacune à trouver le chemin du Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.
Alors nous allons nous saluer les unes les autres en nous embrassant. Si vous ne connaissez pas le nom de votre sœur, demandez-lui son nom. Peu importe l'église à laquelle vous appartenez, nous sommes sœurs, nous sommes frères.